Yeah, moyenne le live, moyenne moyenne à tous. Attendez, je switch tout ça. Normalement là ça doit être bon, pas du tout. D'accord, très bien, il manque le jeu. Attendez, on va faire ça correctement. Bien sûr l'overlay Minecraft n'est pas mis en route. Alors, propriété ajoutée, ajouter capture de jeu Minecraft. J'espère que vous allez bien ce soir. Bon, il y en a la rediffusion aussi du live, je vais essayer de que ça fonctionne. Alors, je mets ça là. Ok, d'accord, c'est tout en haut, ne vous inquiétez pas, ça va redescendre. Tac, tac, tac. Voilà, qui est mieux. C'est nickel, Michel. Ok, on est en live, c'est bon. Moyen, Moyen Nomade, ça va bien? Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Déjà, nous sommes sur le serveur Kraken, pour ceux qui ne savent pas. C'est un tout nouveau serveur en 1.9. Donc là, pour l'instant, il y a pas mal d'arbres, mais ne vous inquiétez pas, ils vont pas rester là longtemps, c'est juste histoire de récolter. Est-ce que vous voulez un petit tour du spawn, par exemple? Enfin, du village, en tout cas. Village qui est en train d'être construit par notre ami Boîte à Meux. Je vous invite aussi à aller suivre sa chaîne YouTube. Il a une chaîne YouTube avec pas mal de constructions. Et eh bien, on est là-dessus. J'espère que la musique va assez fort, pas trop fort. Dites-le moi, hein, n'hésitez pas. Parlez, communiquez avec moi. Attendez, je vais juste encore faire un petit truc qui doit venir ici. Voilà, on ajuste tout. Dernière minute. Ok, c'est bon, nickel. Là, on est parti. Alors, au programme de cet épisode. Nomade. Et hop, là-haut, ça va bien, Laolite. Donc ce jeu, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est Minecraft, c'est génial, c'est super beau, c'est des graphismes next-gen. Salut Kirikouille, ça va bien? Voilà, Boîte à Meux a quitté la partie. Ah bah non, il est revenu. Alors, on est ici. Là au-dessus, ça va être ma maison que je vais peut-être faire ce live aussi. Mais avant ça, j'aimerais bien faire l'escalier ou du moins la montée pour aller jusque là-haut. Parce que vous voyez que c'est un petit peu pentu et que c'est un petit peu la merde. Mais avant ça, j'aimerais aussi finir le passage vers le portail du Nether. Parce que oui, j'ai fait un nouveau passage pour le portail du Nether. Donc ça, je parle à ceux qui sont sur la serveur pour l'expliquer où sont... Hello Valant Rockball 1000... Non, pour... Bonjour, je charcute vos pseudos encore une fois. Valant Rockball 1-2-3. Voilà, je vais y arriver. Donc ici on a replacé le portail du Nether, enfin je l'ai replacé et j'ai fait ce petit couloir, maintenant il faudrait que je l'aménage. J'aimerais bien que ça fasse un peu style grotte abandonnée mais pas trop vu que bah, c'est quand même l'endroit où on va sortir pour arriver dans le village. Donc ça va falloir que j'aménage correctement. Je sais pas comment je vais faire mais je vais essayer de bien le faire. Sur ce, bah, on est parti pour faire ça, de toute façon on est là. On est là. J'espère que vous allez tous bien. Alors, t'es qui, Aminomad? Non, mais ce mec, c'est un random. Il vient sur tous les lives des gens et il fout le bordel. Il est chiant. D'ailleurs, pourquoi t'es sur mon live et pas dans sur le serveur? C'est quoi, ça? Ah oui, j'avais récolté du bois. En fait, je suis pas du tout prêt pour faire ce que je suis en train de faire maintenant. C'est très bien. Bravo, Biffy. Alors, on va remonter vers chez moi. Ah non, si. On va remonter vers chez moi. Vous allez voir que c'est un peu le bordel hein, pour monter chez moi. On a eu quelques petits problèmes sur le serveur au niveau de la stabilité, parce que oui, la 1.9 c'est pas encore énorme. Ah bah oui, Valentin, ça sera vachement plus simple. Merci, Boîte à Meux, merci, merci de me dire que je suis beau. Il vient que pour les giveaways, je pense. Bah ouais, clairement, c'est ça, hein, il veut trop gagner des jeux, hein, pour après les refourguer à ses abonnés, c'est n'importe quoi. Ses followers, pardon, monsieur n'est pas dans le YouTube game, vu qu'il trouve ça inutile, useless. Alors, on va prendre tous ces blocs. Enfin, tous. Il n'y en a pas 10 000, hein, mais bon, on va prendre ces blocs. Des blocs, blocs de type dur. Il y en a encore là. Voilà. On va prendre tout ça. Et on va laisser les pommes. Les pommes, on s'en tape. Ah oui, Glastine. Glastine, c'est la petite sœur de Boîte à Meux. Elle vient d'arriver sur le serveur. Donc, c'est une toute jeune fille. Toute petite. Et elle a une chaîne YouTube, elle fait plutôt des trucs sympathiques. J'ai oublié son nom bien sûr de chaîne YouTube, du coup je peux pas vous le passer malheureusement. Il gratte des clés de jeu et tout. Ouais, bah ça je vais rien dire parce que je fais pareil que lui en fait. Et bon, après c'est pour les distribuer ou pour tester des jeux, hein. C'est important que des gens comme nous puissions tester des jeux pour faire des retours. Le mec il se croit trop important. Alors là, on va essayer de... On va essayer de faire un truc un peu stylé, hein, de mettre un peu de relief quand même là-dedans. Parce que pour l'instant, il n'y a pas masse relief.
Voilà, là c'est pas mal. Bon, ça fait pas très cave pour l'instant, mais je vous dis, c'est la jonction en fait avec le côté Nether Destruction. Miss Glastine, ah bah voilà. Bah, boîte à meux, si t'as l'adresse, n'hésite pas à la balancer. Je sais pas si Moubot va l'accepter, mais bon, au pire. Je ferais mieux de jouer à Hearthstone. Non, je pense pas, non, parce que je suis tellement pourri à Hearthstone que vaut mieux pas. Acacia FR, ok, Acacia FR. Ben, bienvenue à toi sur le live. Et merci pour le follow, oui, t'as dû être un des derniers followers. Là, j'ai vu que vous étiez pas mal abonné là. C'est cool, merci à vous. Donc ouais, n'hésitez pas s'il y a des autres gens qui sont sur le live et qui ont pas encore follow, n'hésitez pas, n'hésitez pas. On a passé la barre des 200, c'est plutôt vraiment cool. Merci à vous tous. Il y aura pas de giveaway pour les 200 parce que j'ai aucun jeu. J'ai aucun jeu à faire gagner, du coup. On peut pas, hein, quand on n'a pas de jeu, on fait pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, ouais, mais je t'ai... Acacia, mais déjà, pourquoi tu t'appelles Acacia? Je me suis bien dit... Qu'un mec qui me dit joue à Hearthstone comme ça, ça voulait bien dire. Enfin, ça pouvait devenir que de toi. Alors, du coup, ça, on va essayer de casser pour pas que ça flotte. Voilà. Ok, ça, c'est pas le bon bloc. Est-ce qu'on fait un truc comme ça? Ça fait bizarre, hein, non? Ouais, ça fait clairement bizarre. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Ça fait même pas beau. Attendez, je vais juste balancer mes trucs de... mes bonnes mille, voilà. Ok, là je peux pas parce qu'il y a plus de place. Très bien, là non plus. Mais là il y en avait. Voilà. Alors qu'est-ce que ça dit? Que ton amour suffit. J'ai raté quoi? Bah pas grand-chose, hein. Franchement, on vient de commencer le live, donc t'as pas loupé grand-chose, t'inquiète pas. Ça me plaît pas là. En fait, c'est ce mur-ci là qui prend trop de place pour la descente. On voit pas où on va en fait. Ah, boîte à meux, coucou. Ça aurait bien qu'il allait venir voir si tout se passait bien. Le designer fou. On va casser ça encore. Hein. On va même casser ça d'ailleurs. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Merde, je me suis trompé de bouton. Ok. Et puis là, on va essayer de faire un truc un peu destroy. Mais tout ce qui est déjà rouge, j'aime pas. Donc on va balancer. On va venir y mettre les autres blocs un petit peu cassés comme ça. Ah ok, d'accord, c'est ton ancien pseudo. Wow. Mais franchement, au lieu de regarder mon live, va me dépasser sur Clash Royale. Ah, un follower. D'où ça vient? C'est ici, là. Une Maxine, mais une Maxine, tu me followais déjà avant, non? Mais en tout cas, bienvenue à toi, tu jeune saucisse. À moins que t'étais juste présent sur YouTube, mais ça m'étonnerait. Enfin, je pense pas. Ou alors c'est mes souvenirs qui me jouent des tours. Salut, salut. Hello à tous ceux qui sont arrivés sur le live ce soir. On est quand? On est jeudi aujourd'hui? Ouais, on est jeudi. Allez, demain c'est vendredi. Vendredi c'est McDonald's. Oh ouais. Voilà, on va enlever un petit peu de matière rouge. Et après, peut-être qu'on en remettra. Hein. Ça se trouve, ça. Hello, Kaïd31, bienvenue à toi et bienvenue. Non, une Maxine. Ah, la pince 28, ça l'a pas fait. Malheureusement, la pince, ça a pas. Ah, ok. Non, d'accord, ok. Maintenant, c'est ok. En fait, je vous explique. Quand vous le voyez sur le live, moi j'ai déjà vu sur une autre vue en fait. Merci boîte à meux pour le follow. Tu es désormais une saucisse. En plus t'es une vache. Donc bon, la saucisse de vache, ça doit être un peu bizarre. Monsieur saucisse, Arachnos, bienvenue à toi. J'avais oublié ton image pour le follow. Elle est énorme hein, mon image. La meuf se ramasse plein de saucisses et elle est trop contente. Voilà. J'ai pas encore de gif pour comment? Pour mon image de don. Donc si quelqu'un a un gif intéressant, quoi, je vais peut-être changer en fait depuis le temps. Je sais plus. Je dis pas ça pour que vous me fassiez des dons hein, mais je sais plus vraiment c'est laquelle. Wow, ça arrête pas là. Red People, bienvenue à toi. Et tu es désormais une saucisse mon ami. Et pourquoi tu n'es pas sur le serveur Red People? Tu dois déjà aller au lit? Maman a dit que c'était fini pour ce soir. Tu préfères Rainbow Six ou The Division? Clairement Rainbow Six. Hein. J'ai testé The Division, je me suis fait chier après après 2 heures, j'en avais ras le cul. Alors on entend des zombies, je sais pas trop où ils sont,
Mais on va essayer de les trouver aussi ceux-là parce qu'ils sont un peu chiants. Hein. Alors, on désature, voilà, hein, on fait son sa Valérie d'Amido ou son, son Marc Emmanuel. Prenez-le comme vous voulez. Ah, eh bien, ma copine qui me dit qu'elle est là, mais c'est trop tard, je suis en live, pardon. Eh ben c'est cool, il y a plein de gens. Alors, Red People, qu'est-ce qu'il dit? J'étais pas censé avoir l'ordi, du coup, elle l'a récupéré. Ah, merde. Du coup, on se verra plus pendant 15 jours maintenant ou quoi? T'as eu des mauvais points, c'est ça? J'ai des visions ou comment réussir à finir un MMO? Réussir à finir un MMO? J'ai pas compris. Eraknos, je ne t'ai pas compris. Après, je comprends rarement les choses du premier coup, du coup, c'est un peu normal, mais là, je t'avouerai que. Non. J'ai pas du tout compris. Si tu peux réexpliquer, ça me ferait grand plaisir. PS4 ou Xbox One? Aucune des deux, PC! à choisir, franchement, je sais pas. Hein, franchement, si je devais choisir, je pense que je prendrais quand même la Xbox, même si avant j'étais vraiment pro PS. Mais le fait de devoir payer un abonnement PSN pour pouvoir jouer en multi, parce que bon, faut pas se le cacher, moi je joue quasiment qu'en multi. Hein. J'aime pas trop rester dans mon coin à jouer tout seul. Hein. Du coup, je pense que je prendrais une PlayStation. Hein. Un MMO, t'es pas censé réussir à le finir. Ah, d'accord, ouais, comme ça, ouais. Après, je sais pas, moi j'ai pas joué non plus, j'ai pas joué pendant 15 ans à The Division. Du coup, je sais pas te dire si, si c'est vraiment finissable ou est-ce qu'ils font un peu comme tous les pseudo MMO, etc. Est-ce qu'ils font genre, ouais, on a des stuff, enfin, à chaque extension, ils nous rajoutent du stuff et ils font comme ça un jeu infini. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que le peu que j'ai joué, bah ça m'a pas forcément plu, voire même pas du tout. Du coup, voilà. Alors on va essayer de décorer quand même un peu ce portail du Nether. Parce que il est pas très très swag. Swag, swag, swag. Bon là vous allez me dire, il l'est pas plus, mais ne vous inquiétez pas, ça va changer. Enfin j'espère en tout cas. Ça on va essayer de faire quelque chose de propre. The Dark 007, c'est un jeu infini. The Division, c'est un jeu infini? PC Master Race. Ouais, Ragan de Soul, ça va bien? Ça fait longtemps, Ragan. Perso, je prendrais la PS4 pour les exclus, mais j'ai pas d'argent. Bah après, il faut savoir qu'il y a des exclus sur PS4 et aussi sur Xbox, donc bon. Et puis franchement, il y en a vraiment de moins en moins au final. Au début, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'exclus aussi bien sur Xbox que sur PS4. Mais maintenant, il y en a quasiment de moins en moins parce que bah... Faut pas être plus con qu'un autre, hein. Avoir une exclue, ça coûte cher déjà de 1 pour soit Microsoft ou Sony. Et vu la conjoncture actuelle des choses, l'argent c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Vous avez vu, Sony a arrêté le développement de EverQuest Next pour ceux qui connaissent. Ça c'est, ça veut bien dire que ça va pas très bien. Hein. Division Infini, carrément pas d'accord. Ah, on va avoir une grosse discussion sur The Division alors qu'on joue à Minecraft, mais c'est pas grave. Allez-y, parlez, c'est cool, discutez tous ensemble. Je pense que si je fais ça, ça va être juste beaucoup trop bas. Donc on va éviter. On va essayer de remonter en fait un peu ça. Hein. On va remonter le plafond. Au moins ici, histoire de pouvoir faire un peu des stalactites. Parce que comme je vous rappelle que j'aimerais bien faire une petite grotte ici. Enfin, style grotte en tout cas. Car quand tu fais des quêtes secondaires. Ah mais les quêtes secondaires, il y en a bien un moment où t'en auras plus quand même, non? Alors qu'est-ce que vous dites les autres? Ok. Salut Shark, salut, bienvenue à toi et merci pour le follow. J'ai vu que tu m'avais follow avant le live. C'est sympa, c'est sympa. Mais malheureusement tu n'as pas eu ta petite animation, j'en suis désolé. Alors là je crois que je fais n'importe quoi. Oui, on peut le dire. Je sais pas si la musique va trop fort ou pas assez, n'hésitez pas à me le dire. Non, ça on va pas le mettre là parce que ça doit être une grotte. Biffy, tu vas retenir que c'est une grotte. Alors, tac tac tac. Hello Alcatraz, bienvenue sur le live, merci pour le follow, tu es désormais une saucisse et tu es... Tu n'es pas sur le serveur. C'est énorme, il n'y a que des gens qui sont sur mon serveur qui follow. Non, il n'y a pas que des gens, mais bon. Allez-y, battez-vous pour savoir si The Division c'est fini ou infini. Le gros débat,
Si vous voulez, je fais un Stropol aussi. Ah, y a pas de souci. Hop, on va casser ça ici. On va faire un peu comme ça. On va essayer de trouver où sont ces foutus zombies là, parce qu'ils commencent à me saouler là. Alors, est-ce qu'ils sont par là? On les entend. Et une nouvelle, un nouveau truc de l'1.9 là qui permet d'écouter les pas, etc., etc. Mais bon, je préfère ne pas l'utiliser. C'est plus sympa de chercher comme un con. Je sais pas du tout où ils sont. Hein. Mais il y en a plein. Alors là, vous devez rien voir. Voilà. Que la lumière soit. Je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont. Je les entends de plus en plus. En même temps, avec la musique, c'est pas évident. Mais en plus, il y a masse de monde. Enfin, il y a masse de monde. Il y a masse de bestioles. Et je sais pas. Ça a l'air d'être par là. Et ce qui est bizarre, c'est que au-dessus, enfin, c'est le village, quoi. Donc, vous allez être sûr que c'est parce que boîte à meux a oublié de fermer un truc ou je sais pas quoi et qu'ils sont tous coincés dedans. Et donc, j'aurais construit tout ce truc pour rien. C'est pas possible que ce soit aussi haut en fait. 19 viewers. Ah ouais, on est 19. Putain, GG, hein, c'est pas mal. Hein. Allez-y, appelez tous vos potes. Là, on essaie de battre des records ce soir, les gens. Allez-y, faites-vous plaisir. J'avoue, Nomad vient pas. Ben, apparemment pas. Et Nomad n'est pas là. Alcatraz n'est pas là. Personne n'est là. Tout le monde a peur. Ah, bah voilà. Regardez, on a trouvé l'endroit. Ah bah oui, bah, y a un spawner en fait. Alors, on va essayer de pas se faire buter comme un con. Mais une fois qu'on aura cassé tout ça, ce sera pas mal. Alors, bon, toi tu fais le malin. Boom, headshot. Par contre, lui, il a une armure. Voilà. Attends. Tac. Tac. Ok, oups. Non, 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 toi tu dégages. C'est toi qui me fais le plus peur en fait. Oh merde, je vais crever. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Ah, non, il y a mes zombies. Fouillé, pauvre fou. Non, mais je vais crever à cause d'un bébé zombie, c'est sérieux ça? C'est trop petit un bébé zombie. Non, il me fout en feu. Non. Merde. Ah, on... Non, méchant garçon. Est-ce que j'ai une épée là pour essayer de combattre quand même tout ça? Non, absolument pas. Bah oui, j'ai tout perdu. Bon, je vais quand même essayer de faire une épée, vite fait. Une épée en fer. Ah, bah boîte à meux aussi m'a suivi apparemment. Est-ce que j'ai du bois pour me faire une des sticks ou... Ouais, comme moi, effectivement. Coucou Tata, ça va bien? Et salut Dim du coup, parce que je suppose que si elle est là, tu dois être là aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? Wifi toujours aussi talentueux. Mais t'as vu hein? Eh, c'est fou hein. Non mais faut avouer que maintenant depuis la 1.9 ils sont super chauds les mobs. Et en plus là on est en ultra hardcore et je pensais pas qu'il allait en avoir autant en fait. Je pensais qu'il allait en avoir 2-3 et que j'allais pouvoir me les faire comme ça. Mais non, c'est pas passé. Oh, c'est pas grave hein. De toute façon, c'est pas moi qui ai le plus de morts, hein. Vous voyez, j'en ai que 14, enfin que 14, j'en ai 14. Tu veux que je vienne clean la zone? Vas-y Alka, bah viens, hein. Si tu veux jouer, n'hésite pas à rejoindre le serveur. Hein. Enfin, rejoindre le serveur, t'es déjà accepté, parce que oui, le serveur c'est un serveur whitelisté, donc ça ne sert à rien de me demander. Ah bah boîte à meux, essaie de me suivre. What? Ah mais il a mon épée. Rends l'argent des abonnés, rends-moi l'épée. C'est mon stuff, bande d'enfoirés. Ah oui, c'est vrai que c'est plus comme en 1.8, il faut attendre. Et ça, j'ai pas encore l'habitude du tout. Par contre, si lui, il me tape... Et je suis en train de casser mon propre stuff, quoi, c'est assez ouf. Il prend zéro de dégâts. Mais il a une protection et tout. Prends-moi. Why? Ok. Ok. Alors. Voilà, toi t'as eu ça, c'est bien. Bon attendez, c'est un peu le bordel, hein. Là je vous avouerai. Du coup je sais pas qu'est-ce qui était à moi. Ça on va dire que c'était à moi, ça c'était clairement à moi. Le reste c'est pas à moi, les bots si ça c'est à moi. Ok, il y a je sais pas qui est là. On va essayer de se faire un... De revenir dans le combat quoi. C'était un peu tendu. Ah bah boîte à meux, coucou. je sais pas ce qui était à toi, on va dire que ça c'était à toi. Efficiency, Unbreaking, ça devait être à lui, je sais pas trop en fait. Ça c'était pas à moi c'est sûr.
Punch, Flame, ça c'est à moi. Ok. Alors, attendez. Qu'est-ce que vous dites? C'est devenu super... Ouais, c'est devenu super lent les fights à l'épée. C'est vrai que c'est super lent, mais bon. Après, il manque du stuff là. Ah mais oui, mais c'est parce qu'il y en a, il y en a qui est là aussi, non? En fait, c'est parce que moi, je suis mort ici, je suis trop con. Tout ce que j'ai récolté là, c'était pas à moi. Merde. Attendez, les gens. On va redonner tout ça à la boîte à meux. Attends, hop. Tiens. Ça, c'était à moi, par contre. Ça, c'était à lui, du coup. Ça, je sais pas. On va dire que c'était à moi. Ah merde, oui, non, c'est pas une pickaxe. Je lui dis une pickaxe, c'était pas du tout une pickaxe. Ça, hop, hop. Hop. Après, je sais pas du tout ce qu'il avait encore. Ça. Ah non, c'était la mienne. Mais bon, c'est pas grave, c'est un cadeau. C'est un cadeau de bienvenue. On va diviser un peu les stacks. Voilà, on va lui donner ça. Je sais pas trop si c'était à lui. Alors, non, désolé, c'est quoi le serve? Alors, le serve, bah, du coup, le serve, c'est Kraken. Donc, c'est un serveur. Ah oui, merde, c'était son arc, lui? Waouh. Non, 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 attends, attends. Hop, on va éclairer tout ça. Mon arc est là ou pas? Punaise. Oui, il est là. Ok, j'éclaire tout ça. Bon, attendez, c'est un peu le bordel. Tac. Tac. Ok, je commence à récupérer mes trucs, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous dites sur le serve? Tu sais, Biffy, si les Français se moquent des Belges, il y a une raison et tu dois être cette raison. Ah bon? Ah d'accord, c'est un cas comme ça, Balak. Ok, d'accord, d'accord. Très bien. Non, mais de toute façon, les Français se moquent de tout, sauf d'eux. Voilà. Que ce soit bien clair. Bon, les os, on s'en fout. Oh oui, j'avais ça aussi, faut que je fasse gaffe. Tac, tac, tac. Ça aussi, on s'en tape. Est-ce que j'ai tout récupéré? Non, absolument pas. Il me reste encore masse stuff à récupérer. On va juste balancer tout ça. On va se reprendre une potion, parce que la vie, c'est pas ça. Du coup, ouais, le serveur est sur whitelist et bah, le recrutement est terminé. On n'accepte plus personne. Enfin, du moins pour l'instant, parce que là, il y a déjà pas mal de monde qui a rejoint. C'est cool d'ailleurs, merci, merci à tous ceux qui ont rejoint. On a une bonne bande et on va essayer d'avancer comme ça. Hein. On verra bien si ça réouvre un jour. Je sais pas quand. Bon, j'éclaire vite fait ici histoire qu'on se fasse plus embêter. Je vais juste reprendre l'autre pioche d'avant. Bon, les os, merci. Ah, zut, ça c'était pas prévu au programme. Qu'est-ce qu'il y a encore là qui flotte? Ok, des torches. Alors, hop. Et on va éclairer ceci, cela. Tranquillement. Voilà. Comme ça, on devrait être moins embêté. Tu gaspilles des potions alors qu'on a le beacon regen. Ouais, mais on s'en fout, c'est pas grave les potions. Ah bon? Je te perturbe tant que ça, boîte à meux. C'est vrai que j'avais oublié qu'on avait le beacon. Autant pour moi. Ah mais attends, mais ça je peux remettre là, voilà. On va y arriver les gens, ne vous en faites pas. C'est clairement le bordel. Bon, c'est bon, on a fait le tour. On va... Est-ce qu'il a pris les coffres au moins? Parce qu'on n'est pas venu pour rien non plus ici. Ok, nickel, il a pris les coffres. Je vais tout reboucher ici après. Et nous on va continuer. On va continuer en enlevant ça. Parce que ça c'est pas beau. C'est pas de la même couleur, ça ne me va pas. Je vais aller en donner un peu à boîte à meux quand même, parce que je crois que j'ai récupéré une partie de ces pierres. Je sais pas où il est. Boîte à meux, où es-tu? Cherchons boîte à meux. Si vous voyez une vache qui se balade, n'hésitez pas à me le dire. J'avais pas vu Red People. T'es à zéro mort? Ouais, mais fais pas le malin, fais pas le malin, parce que ça risque de vite changer, hein. En même temps, on a tout fait pour toi. C'est le mec. Alors, je vais lui mettre dans un coffre, il les trouvera bien. Si je tombe ici, je me fais mal normalement. À moins que là, ce soit... Non. Zut. Boîte à me left the game. Oh. Ah. Tac.
Ah ouais, un nomade, t'as vu, il y a du monde, hein. Et re à toi. C'est quoi, je vais les mettre là. Si jamais quelqu'un en a besoin, bah, il pourra les prendre. C'est cadeau, c'est Biffy qui offre. Je vais même en mettre plus parce que je pense que j'en ai encore plein qui traînent en bas. Oh Balak, par contre là tu vas trop loin mec, tu vas trop loin. Tu fais le show, ça va l'aller. Tac tac, on va ici, on reprend notre stuff qui était encore coincé ici et puis ce sera bon. Voilà, les os on les laisse, il n'y a pas besoin. Alors, Red People, ouais, j'ai pas eu beaucoup de temps, Moko, 5 minutes de minage. Bah bien joué, hein, si pour les 5 minutes de minage, si t'as réussi à choper du diamant, c'est cool. Tant mieux pour toi, tant mieux pour toi. Moi j'ai mis un petit peu plus de temps quand même. Hein. Ah zut, il faudra peut-être que j'éclaire ce tunnel là. Parce que sinon je sens que ça va venir spawn. Bah il y a déjà une torche là. Ok, ça on ferme. Tac tac tac. Oui, je dis beaucoup de fois tac tac tac. Hein. Bon, on en était où nous dans notre truc? On était en train d'essayer de faire une stalactite. Voilà. Là on va faire je sais pas quoi, mais on va essayer aussi de faire quelque chose. Comme ça, on augmente un petit peu la largeur, la hauteur. Est-ce que j'ai encore la dalle? Oui, elle est là, nickel. Je vais pouvoir la replacer ici. Ça. Comme ça? Non, ça fait trop là. Hein. On est d'accord? On est d'accord. On va enlever ça et on va mettre un comme ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ta belle maison? J'ai pas vu de belle maison de nomade, non, désolé. J'ai vu une maison, après de là à dire qu'elle était belle, ça, c'est pas gagné, hein. Gros enfoiré. Bon, vous voulez voir la maison de nomade? Ah. Allez, on va aller montrer la maison de nomade quand même, hein. Mais attention les yeux, hein, ça pique, hein, moi je vous le dis. Hein. Bon, en plus, il fait nuit, il pleut, c'est vraiment le bon moment pour la montrer. Attendez, d'abord, je vous montre ma petite usine à poulets. Donc ça, c'est moi qui l'ai créé, hein. Regardez, il y a des petits poulets en eau. On ouvre ici, et hop là, masse. Bon, attendez, parce que les plumes, ça va 5 minutes. D'ailleurs, faudra faire un trieur, parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Les plumes, on va les balancer là. Et puis, on va aller voir la maison de nomade, parce qu'apparemment, c'est ce qui vous intéresse le plus dans ce live. Donc, la maison de nomade, apparemment, est là-haut. Ah, on a un follow. Hippo Camping, il va bien. Hippon qui va bien, ouais c'est ça, c'est là dans le genre en tout cas. Bienvenue à toi sur le live, maintenant tu es désormais une saucisse et plus un hippocampe. Donc voici la maison de nomade, bon elle est pas finie, ça c'est une sculpture contemporaineuse, entre un style moyenâgeux et un style contemporain, c'est voilà. Je ne dirais pas ce que j'en pense. Alors, bon, on va vérifier entre voir farm et une maison moche, tu sais. Ouais, c'est vrai qu'entre farm et cette maison... Par contre, moi, j'ai pas dit qu'elle était moche. Hein. Ah, c'est une fontaine médiévale. Ah, d'accord. Ah non, mais moi, j'avais pas... Non, ouais, je voyais pas le côté médiéval, en fait. Le côté fontaine, on le voit bien, parce qu'il y a de l'eau qui coule, mais après, le côté médiéval... Je le vois moins. Bon bref, ça c'est la maison de nomade, vous voyez que c'est pas éclairé, du coup je suppose que si on va à l'intérieur, il devra... À l'intérieur c'est un petit peu éclairé. Attendez, on regarde vite fait ce qu'il y a dans les coffres, s'il y a moyen de piller des choses. Hein. Alors là, on met un coffre, mais on réfléchit pas qu'au-dessus on met des blocs, du coup ça s'ouvre pas. Hein. Bravo, bravo. Ok, donc ici c'est pas fini, mais ça va être fini bientôt, hein, je suppose. Ici il y a un petit balcon des familles. Là, bah voilà, il est un peu libertin avec son pote. Je sais plus le nom de son pote, nomade. Ah, là, j'avais pas vu. Ok, il y a un côté extérieur. Et là-bas, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Là, il y a un petit pont en bois qui tient dans le vide. Voilà. Mais là-bas, je sais pas ce qu'il y a. Mais ça a l'air joli, en tout cas, vu de loin. Quelqu'un construit quelque chose. C'est bien. Et ici, on est dans la maison de qui, nomade? Nomade n'a pas envie de me répondre. Mais c'est en tout cas le pote à nomade qui est ici, je suppose. Ou alors ça, ici, c'est la maison de nomade. Alors qu'est-ce qu'il a dans les coffres? Ah, il y a une pioche en diamant.
Rien. Rien. Bon, c'est encore assez vide, hein, mais il vient juste de commencer, donc c'est normal. On va refermer les portes quand même. Mais ici, ça me paraît pas très éclairé, donc ça se peut que ça spawn. Ici, je sais pas ce qu'on va y faire. On pourrait faire le truc pour mettre les chevaux. Une étable, voilà. Une sorte d'étable. Ça pourrait être sympa. Voilà, à noter, à retenir. Je vais poser une torche là, parce que ça me semble pas du tout éclairé. Hein. Voilà, qu'est-ce qui est marqué sur ce panneau? Ah, c'est la maison de Neil. Voilà, ça c'est Neil qui est là. Et du coup, je suppose que ça c'est Nomade, si je me trompe pas. Shark, il n'y a pas encore Optifine, malheureusement. Tout le monde va au dodo. Et ici, ça va être la maison de boîte à meux, mais il a dit qu'il allait la reconstruire. Alors moi, j'ai fait le petit panneau, hein. C'est un poulpe. Je sais pas si on le voit très bien. Voilà. Parce que Kraken, un poulpe, toi-même tu sais. Bon, on est reparti dans notre sorte de jungle. Enfin, de notre sorte. Oui, j'ai toujours ce bug là. D'ailleurs, si ceux qui sont sur le live et qui sont sur le serveur, est-ce que vous aussi vous avez ce bug d'affichage ici là, ce chunk qui s'affiche bizarrement? Ouais, bah ouais, hein, Kirikou, elle est bien en travaux sa maison. Non, mais il vient d'arriver. Après, il a presque jamais joué à Minecraft, qu'il a dit. Mais bon, vu que c'est un pote à Nomade et que j'avais pitié, etc. Enfin bref, voilà, moi j'ai. Cœur sous la main, j'ai dit allez oui, vas-y, rejoins le serveur. Bon, qu'est-ce qu'on va y mettre ici? On va y mettre des blocs comme ça. Hein. Tac tac tac. Encore une fois j'ai dit tac tac tac. Je pense que. Non, je vais rien dire. Je vais rien dire. Ça c'est quand même pas très très beau hein, ce que j'ai fait là. On est d'accord. Oui, c'est assez spécial en tout cas. En fait j'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens, c'est-à-dire. Ça en comment ça s'appelle ce bloc stone brick, voilà, et l'inverse et l'intérieur en cobble. Je pense que je vais essayer comme ça. Alors The Balak, la bug texture, c'est, ouais, les bugs des textures c'est assez chiant hein, mais bon ça c'est dû à l'1.9 je pense, enfin, j'espère que ce sera réglé. J'aurais demandé à rejoindre aussi si j'avais Minecraft. Ah bah de toute façon, bon, franchement maintenant j'accepte plus personne parce que là il y a vraiment beaucoup de monde et j'aimerais bien que ça se pose un petit peu, que tout le monde apprenne à se connaître, etc, etc. Puis bon, voir qui sont les vrais actifs des pseudo actifs, et puis après on verra bien seulement hein. Mais pour l'instant ouais c'est mort. Parce que si je fais ça c'est mieux. C'est pas mal, ça va, c'est pas mal. Là j'ai quand même un problème encore avec ça. Si c'est trop droit. Si je fais un truc dans le genre, allez, on va dire que c'est pas mal. Là, je pourrais encore faire une petite stalactite. Vous voyez, si je fais un peu tac-tac. Eh, je vais arrêter de dire tac-tac. De tout, j'ai pas Minecraft. Bah, ouais, il faut l'acheter, hein. Franchement, c'est vraiment un bon jeu. Enfin, bon, après, je sais qu'il y en a plein qui le critiquent et qu'il y en a plein qui l'adorent. Mais moi, je trouve que c'est un bon jeu et il vaut 25€. Enfin, moi, j'ai plus de fun sur Minecraft que d'autres jeux que j'ai payé à 60 boules, quoi. C'est même dommage à dire d'ailleurs. Voilà. Phrase complète. Alors, on va augmenter la hauteur par ici. Et on va commencer à y mettre des stalactites. Ça, j'ai plus de place. Il va falloir que je me fasse un coffre. Hein. Y a pas le choix. Mais déjà, je vais aller foutre mes bois en haut, près de ma maison. Enfin, de ce qui me sert de maison. Le mur, là. Il y a Révérend qui avait... Pour Révérend, c'est encore bon. Je lui ai parlé maintenant, mais il était hors ligne. Donc, mais lui, c'est le dernier. Commence plus à inviter tes potes, c'est mort. Maintenant, j'accepte plus personne. D'ailleurs, j'ai vu que sur le forum Minecraft France, il y a 10 milliards de demandes. Je sais pas pourquoi le poste, en fait, m'a pas envoyé de mail. Donc, je pensais qu'il y avait juste pas de demande, donc j'ai pas été voir. Et c'est Bill qui m'a dit... Je me fais spam sur le poste, faudrait que t'ailles répondre, dire que c'est fermé. Mais moi, j'avais reçu aucun mail, du coup je pensais que personne en avait rien à foutre de notre serveur, mais apparemment si, il y a des gens qui voulaient rejoindre. Après, il n'y en a aucun qui a lu vraiment la candidature à fond, donc enfin la description à fond. Parce que quand je demandais certains points, bah ils étaient totalement à côté les gens. Donc. Si le bloc qui est sur le mur se situe dans l'inventaire, fais un clic. Ah oui, c'est vrai, juste. Oui, si on fait ça. J'avais oublié ce détail. Merci, c'est vrai, c'est la 1.9. Bien joué, Shark, merci.
J'ai pas d'autres potes de toute façon. Oh. Envoyer des dons à Nomad pour qu'il s'achète des potes. Mais si, t'as plein d'amis. Alors ici aussi, on va un peu travailler le plafond. Parce que bon, c'est pas que c'est plat, mais c'est tout comme. Ah, victime bolos. Eh hey, mais bah là, il me semble que t'es chaud là ce soir, non? Enfin, non, t'es chaud dans tous les cas, mais... Enfin, dans tous les... Non, je vais arrêter là, en fait. Je vais arrêter, j'ai rien dit. Bientôt 1500 amis, c'est vrai, ouais. Allez suivre le live de Nomad aussi. Enfin, le Twitch de Nomad, c'est I'm Nomad. Il fait un peu de tout, il va faire un peu de Minecraft aussi, je pense, j'espère. Pas que je l'ai ramené pour rien sur le serveur, quand même. Qu'est-ce que vous pensez si là, on faisait une mini-grotte? Une mini-grotte qui sert à rien, mais qui fera juste beau, en fait. Hein. Parce que là, on décore. Est-ce que la musique ne va pas trop fort? Je crois que j'ai déjà posé 1000 fois cette question, non? Ou alors c'est dans ma tête et j'oublie, mais ça devient grave. Hein. J'ai tellement envie de tirer sur quelqu'un. J'ai envie de tirer mon coup, là. Si je vois une tête qui dépasse... Merde. C'est pas moi. Alors, est-ce que ça, on rabaisserait pas un peu vite fait quand même? Parce que ça me semble fort long. Là comme ça, et ça me semble fort droit surtout. Je pense que je vais faire un truc comme ça, ouais. Par contre, je vais aller me refaire des slabs. J'ai envie de tirer mon coup. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait faire une remarque sur ma phrase déplacée. En même temps, elle était un peu faite pour. J'avoue. Merde, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui me tirait dessus, mais en fait, c'est dans la musique. Ça fait un peu comme si c'était le bruit d'une flèche, en fait. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Oh, un nouveau follower! Starky HD, bienvenue à toi, tu es désormais une saucisse. À partir de maintenant, tu m'appartiens. Ouais, j'invente des choses. Bienvenue à toi l'ami, j'espère que tu vas bien. Allez, heureusement que j'ai mis une torche là, non? Ok. Là c'est quand même bizarre encore. On va essayer de monter comme ça, histoire de faire la séparation. Dis-toi que sa maison est à l'image de son visage. Bah plutôt belle gosse hein, la maison hein. Mais ma maison est vraiment pas finie, hein. Je peux aller vous la montrer, mais j'ai à peine commencé. D'ailleurs, je vais pas la faire en live parce que je compte faire un épisode dessus, je pense. Donc elle est là-haut. Malheureusement, je peux pas zoom parce que Optifine ne marche pas encore en 1.9. Mais j'aimerais bien faire, je sais pas, est-ce que je fais un escalier qui monte là comme ça, hein, en extérieur, ou alors est-ce que je fais quelque chose en intérieur, genre de nouveau un escalier style un peu grotte comme ça, qui monte jusque là-haut, parce que ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on n'a pas vraiment de passage en grotte, en fait. Vous voyez, c'est toujours des ponts comme ça en extérieur. Enfin, c'est très bien fait, hein, ça je dis pas. Clairement, Boîte à Beux fait très bien son job là-dessus. C'est nickel, mais vous voyez que tout est en extérieur. On peut vraiment passer de haut en bas un petit peu n'importe comment, j'ai envie de dire. Et il n'y a pas de truc qui passe par des passages en grotte. Et je trouve ça un peu dommage. Du coup, j'aimerais bien, moi, essayer de faire soit... Une grotte qui commence là, donc une petite montée qui va là en extérieur, puis une grotte pour aller jusque chez moi. Ah, de toute façon, Bala qui fait le show, mais en vrai c'est juste un cassos, c'est tout. Il y a une bêta d'Optifine, ouais, mais bon, je préfère attendre que la version officielle sorte correcte, posée. Voilà, je vais vous montrer mon début de maison. C'est quand je vous dis que c'est vraiment un pan de mur, c'est vraiment un pan de mur, hein. Parce que d'ici on peut voir, on peut même pas vraiment voir parce que j'ai pas de bel endroit. Alors là on est dans le salon, plutôt cool hein, assez vaste j'ai envie de dire. Puis ici il y a ma petite chambre avec mes petites fleurs, hein, tranquille. Et ici j'ai un petit balcon, voilà, avec un lopin de terre. Alors comme ça j'ai un petit balcon ici et je pourrais voir ce qui se passe sur le village. Je pense qu'on a une belle vue hein. On a une maison qui se construit là, je sais absolument pas qui c'est, mais elle est sympa. On a une autre qui est construite ici, là c'est celle de Boîte à Meux. Il y a quelqu'un d'autre, je pense, qui est en train de construire là en haut.
Donc ouais, ça commence à prendre forme, les gens commencent à s'installer, c'est cool, c'est cool. Alors voilà, que c'est trop long, j'ai pas envie de lire, de toute façon tu vas encore me trash talk, donc ça sert à rien. Alors, Red People, direct le mec... Attends, c'est qui veut être modo? De toute façon, il y aura pas de modo, il y en a pas besoin, hein, franchement. Vous êtes tous respectueux, sauf Balak, mais bon, au pire, c'est pas très grave, quoi. Balak, on s'en balèque. Est-ce que ici je referme? Oui, hein, parce que c'est pas très beau quand même. Alors, gros terraforming en prévision. Attention, mesdames et messieurs. Boum! Voilà. Bon, allez! Ah merde, par contre, ma pioche. Est-ce que j'ai pas de fer sur moi? Bah, j'aurais dû rester à la maison et me refaire une pioche, parce que là, vous voyez qu'elle va bien se péter. Possible d'avoir le preset? Ouais, le preset, attendez. Attendez, bah vous savez quoi? On va vous donner le preset directement en live. Donc je vais me déco. Je vais aller là. Là. Tic tac tac. Là. Edit. Non, c'est pas ça. C'est. Comment. Attendez, je vais essayer de vous le choper direct. Recreate. More world option. Merde. Custom. Preset. Attention, je sais pas si ça va marcher. Hein. Voilà, ceci est le preset de la map. Ah, mais attendez, il manque un truc là, je pense. Oh non, on me dit pas que ça peut tout prix. Vous voyez que c'est genre super long. Attendez. Preset. Ouais, il manque des trucs, il manque des trucs. Attendez, attendez. Prenez pas ça parce qu'il manque des trucs. Comment est-ce que je vais pouvoir vous le balancer sans que. Parce qu'apparemment, je suis limité au nombre de caractères. Ah, mais je suis con. Bah non, ça va pas marcher. Merde, 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 merde. Yop, Red Nat. Attends, bah tu sais quoi? Attends, c'était Jackie qui me l'avait demandé. Je sais plus qui m'avait demandé. Ah oui, Starkey. Starkey, eh bien je t'invite à me suivre sur YouTube. Je le donnerai sur ma prochaine vidéo. Je le noterai dans la description. Et du coup là tu pourras l'avoir le preset directement. Parce que là je peux pas vous le balancer et c'est chiant. Voilà, tout simplement. Et je pensais vouloir pouvoir vous le balancer sur Twitter. Mais ça va pas passer non plus parce qu'il y a plus que 140 caractères. Bon, pour l'instant je me fais des vieilles pioches en fer parce que j'ai pas envie d'utiliser des pioches en diams pour ça. Hop, et on repart. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? La graine de la map. Ouais, le seed c'est en anglais, ça veut dire graine, ouais. Cette technique pour avoir des abonnés. Bah non, non, mais c'est juste que là, ça marche pas. Vous avez pas tout le texte en fait, enfin tout le bordel. C'est super long en vrai. C'est malheureusement super long, du coup, ouais, faudra attendre l'épisode 1. Après, ouais, c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée au final pour se faire des abos. Ah bon, je suppose que s'il est sur le live, il doit déjà être abonné. J'espère. Donc le portail est pas fini. On va essayer de le finir avec ça. Ouais, j'ai encore dit tac, et alors je fais ce que je veux. Comme ça, et par dessus on va essayer de monter quand même un peu plus haut. Oui, parce que monter plus bas c'est difficile. Voilà, c'est bien, t'as cassé, j'ai tout compris. Comment est-ce que là je vais faire? Je sais quoi, je vais essayer de faire quelque chose d'assez spécial. Enfin, c'est spécial, c'est pas non plus ouf hein, ce que je vais faire, ne vous inquiétez pas. Pam 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 padadam. Oh, allez. Merde. Quelle couille, Nomad, je mange une partie de pizza, forcément je pense à toi. Une part de pizza. Bah ouais, Nomad il arrête pas de bouffer des pizzas. Et après il vient me dire ouais je me trouve gros et tout, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est pas vrai. Si on fait un truc comme ça, c'est dégueulasse. On est d'accord, c'est dégueulasse, non? Enfin, c'est pas fini, mais c'est assez dégueulasse pour l'instant.
encore essayer de faire quelque chose, mais je suis pas sûr du résultat. Ça fait vraiment massif, quoi. Ça respire pas. Derk. Et si je rajoute encore ça, c'est mort. Enfin, ça fait un style, mais c'est pas le style que je recherche. Est-ce que... Après, il faudrait vraiment casser tout ça, je pense, pour que ça respire vachement plus. Respiration! Il y a tellement de monde là, c'est super cool. Merci d'être tous là. Hein. Je sais pas si vous êtes là pour moi ou pour l'argent que je vais vous donner après. Mais en tout cas, c'est cool. Ouais, parce que moi, je rends l'argent aux abonnés, hein, clairement. Vous voyez que là, on n'a pas de place. Quand on n'a pas de place, non, on s'en fait. Je suis musclé en vrai, Biffy. TMTC. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Hein. T'es plutôt un mec basé. Hein. D'ailleurs, ouais, quand on a été à la MIA, c'est bien simple. À un moment, ils ont dit, ouais, on a besoin de la sécurité à l'extérieur, tu peux venir aider. Ouais, je me souviens maintenant. Je me souviens, j'ai un flash. Oh merde, Scarf, qu'est-ce qu'il y a de... Donc au final, c'est quoi la graine de la map? Mais Scarf, je te dis, je vais balancer la seed, donc la graine de la map, si tu veux, dans l'épisode 1. Dans la description de l'épisode 1 sur le serveur Kraken, parce que là, je peux pas en fait la mettre. C'est trop long en fait, j'ai pas la possibilité de mettre un texte aussi long, malheureusement. Et à moins que quelqu'un me trouve une autre idée pour la balancer, et je veux bien la balancer, mais... Pour l'instant, j'ai pas d'autre idée que de me la mettre dans la description d'une vidéo, quoi. Voilà, voilà. Voilà mon dilemme de ce soir. Alors, Balak, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est vrai, t'es sans compte que t'as créé pour ma chaîne. Ouais, c'est vrai, ça j'avais oublié. Désolé, Balak. Bah, attends le mois prochain, aujourd'hui c'est un mois. Aujourd'hui, ce mois-ci c'est un mois difficile. Ah, l'argent des abonnés. En soi, vous payez rien en vrai. C'est vrai ça. C'est toujours l'argent des abonnés, mais personne paye rien. Et franchement, vivement quand même que j'ai blindé de diamants pour avoir des pioches efficiency en diamant, parce que là c'est juste super long de miner avec des pioches en fer. Hein. Ah bon, c'est le début de partie, je vais pas faire ma fine bouche, on a qu'une petite usine à faire en plus. Parce que ouais, si vous êtes pas au courant, l'Iron Titan, malheureusement, ne marche plus en 1.9, hein. il faut regarder après, apparemment il y en a qui sont en train de regarder, mais ça a pas l'air de fonctionner comme ils veulent. Du coup, on attend que quelqu'un trouve la solution, parce que moi j'ai un petit peu vite fait regarder à celle de Red Spire, je sais même pas le nom. C'est encore pire que l'Iron Titan, ça fait genre 6000 blocs par heure ou un truc comme ça, enfin, c'est insane. Ah bah déjà quand on le voit de face, c'est un peu mieux je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, après il y a encore tout le dessus à faire, mais là c'est déjà un peu mieux. Bon, ça fait très mastoc, très entrée de château, mais en même temps c'est un peu ça le Nether, hein. C'est un peu un château. C'est un peu château. Ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que vous dites? Kirikouille parle beaucoup, c'est bien. Red People, Nomad, tu m'as tué. Ah, qu'est-ce qu'il a dit, Nomad? Je suis carré, mais je sais pas ce que je suis à prendre l'expérience Minecraft. Attendez, je bois parce que je parle, mais... J'ai la pâteuse. Qu'est-ce que vous allez faire de beau, les gens, ce week-end? Le mec qui s'intéresse à votre vie, je saute le cœur de base. J'ai eu peur, mais c'est un bloc. C'était juste un bloc de terre. Ok, alors, est-ce que si je reprends le même style, juste ça qui me dérange un peu, ouais. Tac. Personne n'a rien entendu, j'ai rien dit, j'ai pas dit tac. Il manque quoi là-dessus? Là, j'aimerais bien y mettre... Un petit escalier comme ça. Ça peut le faire, ça peut le faire. On va voir. Franchement, c'est en fait le truc qui m'énerve quand je build, c'est que je fais et je défais, mais tout le temps, quoi. Donc c'est un peu relou.
Par contre, j'ai pas mis de bloc derrière. Alors, ah ça c'est chiant les torches aussi. Derrière là, il y a pas de bloc. On va essayer d'en mettre un. Voilà. Et de ce côté-là, il y en a un. Ouais, il y en a un, mais c'est pas celui qu'on veut. Enfin, je pense pas. Il a pas l'air. Hop, il a disparu. Oui, maintenant j'utilise le mot hop. Bloc comme ceci. Je pense que mon arc, j'en aurais pas vraiment besoin. Et là, ça fait comme ça et comme ça. Bon, après, devant, on va casser. Ça. Voilà. On a agrandi la pièce. On fait notre marque Emmanuel, comme d'hab. Un échafaudage en bouse. La base. Ok, et celui-ci, on va le casser pour mettre ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que là, ça fait cool? Est-ce que là, ça fait cool? Je sais pas. Renat, aujourd'hui j'ai fait deux manifs dans la même journée. C'était grand. Ah ouais, t'as fait des manifs pour quoi? Pour le Front National et tout. C'est... Le mec est trop. Enfin, le mec. Le mec est trop chaud, tu sais. En mode. Ouais, casser du bougnoule. Ah, ça c'était pas ce que je voulais faire. Mais. Mais c'est dégueulasse. À moins que. Attention, attention Buffy l'architecte. Eh, hein, vous voyez là? Voilà, on casse les lignes. Il faut casser les lignes. Je crois que j'ai un problème avec le fait de casser des choses. Je sais plus comment j'ai fait du coup. Comme ça. Voilà. Là, comme ça. Oui, ici, comme ça. Et voilà. Puis on peut remettre les deux petites torches qui étaient là. Je pense là, c'est sympa comme ça, comme entrée, non? Il y a juste encore là-haut où ça me pose un peu problème. Là-haut, lit. Pardon. Ciao, Red People. Bonne nuit. Et merci d'être passé sur le live, c'était cool. Et d'ailleurs, ceux qui sont là sur le live et qui ne parlent pas, n'hésitez pas, hein, allez-y. C'est pas parce que tous les autres là, ils parlent que vous ne pouvez pas avoir votre mot à dire. Ok. Est-ce que c'est bien comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que ça manque de bois, mais bon. Le thème c'est pas trop boisé ici, hein, on est quand même dans une grotte. Punaise de torche. Et merde. Si celui-ci je le change et que je mets quelque chose comme ça, ça pourrait encore accentuer le fait que... Attention. Biffy teste des choses, mercredi. Non, mais please. Voilà. Et là, je vais essayer de faire ça dans un autre sens. Attention. Si je mets l'escalier pas du tout comme ça, je pense que je vais être obligé de mettre ça. Voilà. Comme ceci, et qu'on le fait le même de l'autre côté. Parce que la symétrie, des fois, c'est bien. Enfin, même souvent. Mais bon, il faut pas trop en faire, hein, non plus, de la symétrie. Ça fait un peu sympa, je trouve. Mais, en fait, le problème que j'ai, c'est que le plafond est trop bas pour cette porte gigantesque. Donc, quand c'est trop bas, on casse. Bon, après, je sais pas ce qu'il va y avoir en haut, mais c'est pas grave. Si quelqu'un veut se faire une petite mine ou un truc comme ça en dessous de chez lui, ça va être peut-être compliqué. Désolé. Ne m'en voulez pas. Allez, ça va y aller. La Olit, stop jouer avec mon pseudo là. Ouais, y a tellement de possibilités aussi avec ton pseudo. Voilà, il fallait choisir un comme, je sais pas, Biffy ou un truc comme ça. Enfin, après, voilà, avec Biffy, il y a moyen aussi, hein, je sais. C'est bon, la bif, etc. On me l'a déjà fait. Bon, alors, voyons voir ce que ça donne. Efficiency 2. Je crois que j'ai piqué la pioche de boîte à meux. La pelle de boîte à meux. Mais voilà, il a voulu me suivre. Hein. Je suis un peu son mentor, donc il me suit partout. Hey, salut Pigman! Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette porte de l'enfer? Je pense que c'est pas mal, mais là c'est encore trop droit. Du coup, on va essayer de jouer
avec quelque chose. Biffy, j'ai essayé d'expliquer le concept de... le concept de mitraillette, ouais, en français ça va être chaud. Puis j'ai dit que j'ai... Ouais, c'est vrai que le concept de mitraillette chez l'arabe, etc. Ouais, c'est... En plus, maintenant, c'est pas le moment, je crois, de faire des jeux de mots, etc. Sur des choses comme ça. Ah. Hello, Johan, bienvenue à toi. Maintenant, tu es désormais une saucisse à partir de maintenant. Il y a eu le premier maintenant qui devait sortir après, en fait. Le cafouillage est total. Ah non, ok, d'accord, c'est comme ça. C'était le bon bloc, autant pour moi. Bienvenue à toi, Johan, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à parler, à discuter, à montrer qui est le vrai Johan. Est-ce que si je fais comme ça, c'est cool ou pas? Ça va, hein? Bon, c'est pas ouf, mais ça va. Là au-dessus, on va... Là au-dessus. Là-haut, t'as compris? Là au-dessus. Est-ce que je le tape, lui? Ouais, hein. Allez. Hé Boum! Bon, ça c'est un peu bizarre. Mais de toute façon, je vous dis, là, je vais essayer de faire une petite grotte. Pas une petite. Je vais essayer de faire un truc. Un truc qui va ressembler à quelque chose. Vous allez voir, vous allez voir. Ah oui, c'est vrai qu'on retombe sur ça. Juste que je casse comme ceci. Là, on va essayer de casser comme ça. Mais on va... Ouais. On va essayer de faire quelque chose, on va essayer. N'ayez pas peur. Jump. Ça aussi c'est trop droit là. Faudra casser des choses. Faut pas que ça ait l'air droit en fait. Quand c'est naturel, ça doit pas être droit comme ça l'est là. Sinon c'est trop bizarre. Ça fait plaisir que cool. J'ai maudit celui qui m'a obligé d'ajouter un 22 sur mon pseudo Twitch. Mais pourquoi 22? Ouais d'ailleurs là Olit, t'as 22 ans. Il y avait du fer, fallait que je récolte. Je suppose qu'il y en a un autre derrière. Ouh, du charbon et du fer. Bon, on need un peu de fer sur le serveur, du coup je vais le récolter quand même. Vous voyez rien, autant pour moi. Ton département? Ah non, je pense que ça doit pas être son département. Ou alors, il nous aurait menti? Il ne serait donc pas belge? Ok. Pam. Après, rien n'empêche là aussi de faire un peu une petite grotte. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on pourrait faire une petite grotte aussi là. Une petite grotte comme ça, toute cachée. Ça va être waouh, bro. On pourrait y foutre un zombie pigman. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que là-dedans, on va faire une petite grotte zombie pigman. Je pense que ça peut être cool. Je récolte juste un peu aussi le charbon. J'ai pas encore de pioche shield touch d'ailleurs. Je vais juste éclairer aussi. Là c'est le bordel. Oui, je finis aucun de mes côtés. Ah mais regardez où est-ce qu'on tombe, ça c'est cool. Ça va m'éviter de devoir creuser pendant 4000 ans. Faut juste ça que j'enlève. Ah oui, mais on est juste à côté en fait du spawner. Ok. Alors, c'est ça. Non. Hop. Boum. Bah, ça m'a foutu une torche. Voilà. Ok. Là au-dessus, on peut refermer ça avec. Et puis, on va agrandir le champ de vision. Comme ceci. Là, on va pouvoir aussi un petit peu l'agrandir, mais pas trop, parce que juste derrière, vous voyez, il y a le problème, c'est que c'est le spawner. Bon, j'ai pas trop envie de m'embêter avec, donc on va juste essayer de faire quelque chose qui tient la route, plus ou moins. Parce que si je casse comme ça... Ouais, ça a l'air bien, hein. Ouais, ça a l'air bien. C'est pas non plus le truc le plus beau. Alors, qu'est-ce que vous dites? Stuck, salut Stuck. Moi je suis belge, je représente le sud Luxembourg, la région liégeoise, Biffy, on s'affonne. Non mais... Ah, de toute façon avec ce pseudo là, je sais direct qui t'es Jérôme. Ça va depuis le temps. C'est cool là de voir des gens que je connais dans la vraie vie qui sont sur le live.
Et on s'affonne, non, je préfère pas ta... Enfin, après oui, on peut essayer, mais bon, je sais direct que je vais perdre face à toi. Pour les Français qui écoutent, le fait d'affonner quelqu'un, c'est de boire cul sec le plus vite possible une bière, en fait. Voilà, tout simplement. Y a rien de compliqué. Enfin, y a rien de compliqué. Si, en fait, quand on réfléchit, c'est un petit peu complexe. Les premières fois, en tout cas, c'est assez, assez laborieux. Mais après, quand on a de la bouteille, on va dire, comme Stuck, par exemple, y a moyen d'avoir de la descente. Bon, c'est pas très beau tout ça. C'est pas très beau. Ça, si tu me laisserais déjà là. Mais de toute façon, ici, tout ce qui est rouge, ça va casser. Hop. Au moins, ce qui est bien, c'est que j'aurai des blocs pour faire ma maison après. Une bonne descente. Ouais, il faut une bonne descente. Ouais. Pour affonner des gens, ouais, il vaut mieux avoir une bonne descente. Effectivement. Ok, donc là, on a notre... bloc. Au plafond. Ça fait chier. On a là notre... ouais, notre petit portail qui ressemble quand même à quelque chose. Hein. Je le trouve sympa. Je suis juste en train de me demander si c'est pas trop comment des stone bricks. Faudrait peut-être que je mette des blocs normaux derrière. Je pense que je vais essayer de faire ça. Parce que là, il y a pas assez de différenciation entre les blocs. Et cette torche me saoule. Attends, Balak, tu viens tu viens de la région de Charleroi? Si je casse celui-là, en fait on va faire. Non, on va pas faire une ligne. Mais je pense que ça va pas. On va pas voir la différence. Ah, si, peut-être. Ok, et là, si on casse encore celui-là, je sais pas si on va voir vraiment la différence. Un petit peu, mais c'est pas ouf quoi. C'est un boulot à plein temps, Balak. Décorer des cavernes, c'est pas donné à tout le monde, mec. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça, voilà. Ça détend. Franchement, c'est pas compliqué à faire. Il faut juste que ça ait l'air un peu naturel. J'aime bien le terraforming dans Minecraft. Ah ok, là on a un escalier, d'accord, c'est très bien. Voilà, comme ça au moins le relief du truc, ça ressort un peu plus. Par contre au-dessus, ça me perturbe toujours, mais bon. Faudrait qu'on arrive à faire quelque chose là-haut. Là-haut, lit. Allez, hop, encore une fois, bim bim. Et bien sûr, ça, on va aller creuser un peu plus loin. On va essayer d'enfermer un... Le prochain pigmen qu'on voit, on essaie de le pousser là-dedans. Celui-ci, je vais le remettre pour me donner un repère. Parce que là, je veux pas une trop grosse caverne. D'ailleurs, sur le premier serveur amplifié, donc Amplicraft, on avait fait une petite caverne comme ça avec un bonhomme de neige. Comment il s'appelait déjà? Olaf. Voilà, c'était Olaf le bonhomme de neige. Et grosse histoire avec Biffy. Hein. On se marre de ouf avec Biffy. Whoop, whoop. Hop, ça on casse. Ça aussi. Bah, du coup, ça avec. Ça également. Alors, Tommy, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il nous dit, Tommy? Ah, je devrais varier les stones avec de la cobble. Ouais, je pourrais, mais je sais pas trop où. En fait, je vais essayer. T'as raison, Tommy. Merci, Tommy. D'ailleurs, je me demande si celle-là, en fait, je vais pas y mettre de la cobble au final. Parce que la cobble, ça ressemble encore moins que de la stone normale. Allez, on écoute ce que Tommy nous dit. Et punaise, mais je me fais tout le temps avoir, quoi. J'ai vraiment encore du mal avec les nouveautés de 1.9, hein. Mais c'est cool, ça bug encore un petit peu, mais elle est quand même pas mal. Faut dire ce qui est, ils ont bien travaillé. Après combien? Presque 2 ans maintenant. 1 an et 6 mois, je crois. Sans news. Enfin, sans news, sans changement majeur. On va essayer de casser ça là-dessus. Voir ce que ça donne. Ah oui, c'est vrai qu'on utilise la pierre rouge. Putain, vous avez trop des bonnes idées. Hein. Heureusement que vous êtes là. Merci Alka. Je vais essayer avec de la pierre rouge, comme tu dis. Ce
sera le seul endroit où il y en aura, mais c'est pas grave. En même temps, c'est un peu le Nether, et le Nether, il y a quand même pas mal de rouge. Vas-y, pose-toi. Hop. On fait ça, comme ça. Au-dessus. Non. Est-ce que... Là, par contre... J'ai une idée. Oh mon dieu, j'ai une idée. Ah mais non, ça va pas marcher parce que derrière le portail... Fuck! Mon idée tombe à l'eau. Parce que si je fais ça, c'est moche. En fait, je voulais mettre la pierre rouge derrière. Mais non, mais ça va être dégueulasse. Ok, on oublie mon idée. Par contre, là, je pourrais mettre le dernier escalier qui me reste, comme ceci. Histoire de varier les plaisirs. Ok, ça c'est plutôt cool. Maintenant, en haut, c'est pas cool du tout. Bon, la torche, j'en ai marre. Ah merde, je suis pas en train de mettre de la terre là, ça va être chiant à casser après. Voilà, on est à la bonne hauteur. Ici on va essayer de mettre ça. Mais je trouve que là ça... Enfin j'ai peur que là ça fasse trop ravancer en fait, la pierre rouge. La pierre rouge en général j'utilise pour la mettre derrière, donc... Là j'ai peur, je crains que ça soit trop avancé. Alors, on va juste essayer de faire ça comme ceci. Et puis là. Yeah, j'ai pas de slab. J'ai pas de stone slab. Zout. Là, regardez. Alors, ça comme ça. Ça, on va essayer de casser. Bon, ça se verra quasiment pas, mais c'est pas grave. Aïe. Ah mais on a déjà la régène du beacon ici, cool. J'avais même pas vu. Si on fout en l'air, on en a plus besoin. Là je vais essayer de mettre quelque chose là-haut. Attendez, je vais aller faire des slabs. Je voulais pas critiquer, mais ta pierre rouge, on dirait vachement de la terre. Bah ça ressemble pas mal à de la terre, non, quand même. Le granit. Quand tu regardes vite fait dans le noir... Doom. Ça, je pense que j'en aurai pas besoin. Non, mais les conseils de déco de Biffy sont énormes. Faut juste les appliquer à la lettre. Là, on a les escaliers, donc ça va pas le faire. Je peux pas rajouter de la pierre rouge. Là, au-dessus. J'ai envie de le faire là au-dessus. On fait ça et ça. Ouais, bon, après il y a le gros pilier en terre là. Bon, là-bas ça devait juste être un petit portail. Il commence légèrement à devenir super gros. Ouais, moi je trouve ça cool. Je trouve ça sympa, comme ça. Et donc là, on arrive. On aura ici notre petit ami, le pigman, qui va être coincé par ici. On va y mettre de la vitre après, hein, pour histoire qu'il reste bien coincé. Ça, ça on casse. Ça, on laisse. On va aménager. Ne vous en faites pas. Ça ici on peut casser, ça on va bien sûr le laisser. Hop. Ça va être vraiment une petite grotte ici. Hein. Est-ce que j'ai encore de la pierre normale? Ouais, là. Si t'enlèves la dalle que tu viens de poser, ça fait la croix symbolique religieuse. Cette porte chance. Ah bon? Il y avait une croix? Bon, don't give a fuck de la croix, non? Parce que... Là je vais peut-être aller trop loin, là. Ouais, là ça... Ah non, ça fait trop là, je trouve. Allez, on arrête d'y toucher à cette porte. On va dire qu'elle est bien. On va dire qu'elle est bien. Là, ici, c'est quoi? Ça, c'est un bloc plein.
Non, là ça commence à partir en couille. Y a plus rien qui est soutenu en fait. Si je fais ça. Non, par contre, je peux peut-être essayer de faire ça. Attendez, j'ai peut-être une idée. Hop, on casse ça, on met ça là. Et je vais aller chercher des trappes. Enfin, je vais faire des trappes et on va essayer de les mettre contre la pierre rouge. Ça pourrait être cool. Yop, Yuri, bienvenue à toi sur le live. N'hésite pas à follow hein, si ça t'intéresse. Bien sûr, je ne t'oblige en rien. Ah, par contre, j'ai pas de bois. Fuck. Est-ce qu'il y en a là dans les coffres? Combien on est? Il reste boîte à meux, il y a Kawet, tout ce qui est là. Attendez, je vais aller voir. Peut-être qu'on va switch aussi avec les autres. Non, parce que là, il y a pas mal de gens sur le live. Du coup, ça va faire chier les autres si je passe sur leur channel. Est-ce que j'ai du bois là-dedans? Non. Ah oui, j'ai récolté un peu de diamants aussi. J'en avais plus que 9. Enfin, j'en avais que 9. Et j'ai trouvé un filon. Et vu que j'ai fortune 3, ça a bien augmenté. Je suis nouvelle. Eh bien, bienvenue à toi, Mobiritus. Mobiritus, c'est ça, hein, je pense. Désolé si j'écrase vos prénoms. Enfin, vos pseudos. Vos prénoms. Si j'écrase, si je les détruis. Si... Ah, on n'a plus de musique. Attendez. On va mettre de la musique. Nope. On va changer ça tout de suite. Playlist. Voilà, tranquille. Alka a joint le truc? Ouais. Yop, Alka. Ah, apparemment le Discord ne marche plus. Ouais, mais en fait, bah là que je suis dyslexique, du coup, lire et écrire pour moi c'est vraiment compliqué. Donc, c'est aussi pour ça que je défonce vos pseudos. Mais après, ça fait son charme, non? De toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. J'ai pas trop le choix de vivre avec, ma foi. C'est comme ça. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Lire et écrire, c'est pas indispensable pour vivre. Mon cul, ouais. Alors. Voilà, il va nous en falloir plus. Voilà. Je garde le bois sûrement, on sait jamais. D'ailleurs, attendez, parce que là il me reste combien de pioches? Une. Ouais, on devrait être bon. Hein. Là je suis en train de me faire du fer de toute façon. Allez, hop, voilà, je vais me refaire vite fait une pioche, comme ça au moins on est sûr. Si jamais. Ok, les bouteilles, je vais les taper là en attendant. Et ça me fera un peu plus de place. Bon, on est reparti les gens. Alors. Nobritus, t'es la copine de Nomad? Non. Si? Ah, parce que sinon, faut que je te dise des trucs, hein. Parce que. Attendez, parce que là, il y a Nomad qui m'appelle en live. Attendez, je vous mets sur haut-parleur, hein. Ouais? Ah, oui, bonjour, monsieur Bifi. Oui, c'est moi. Live. Ouais, je sais pas si on t'entend en fait, hein, mais. Ok, parce que j'ai entendu un attends. À la radio, il était possible de passer de dédicace via votre magnifique live sur Twitch TV. Ah bon? Ah bah allez-y, hein, de toute façon maintenant c'est. Sur la télévision qu'on voit sur internet, où il y a des gens qui jouent à. Des à gens qui regardent des gens jouer aux jeux vidéo, mais c'est n'importe quoi, monsieur, ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est bon, c'est un jeu de longue expérience, je ne connaissais pas du tout auparavant, donc je me permets de vous appeler. Ok, pas de soucis, allez-y. Enfin, vous le faites déjà, donc j'ai pas besoin de dire allez-y. Donc, je souhaiterais d'abord saluer avant tout les amis, évidemment. Ok. Je pense qu'il y a Kirikoui, déjà. Ouais, Kirikoui est là, oui, c'est ça. Ok. Je pense qu'il y a un autre petit venu là qui s'appelle Noboritsu. Ouais, c'est ça, ouais. Et est-ce que c'est de la jante féminine ou c'est de la jante masculine? C'est de la jante masculine, tout ça. Tu penses vraiment qu'il y a des femelles qui traînent sur Twitch? Bah, après, je sais pas, hein, si tu veux, moi je te montre des streameuses. Mais oui, je sais bien. Mais c'est cool que tu décroches. Je voulais faire le petit gag à appeler comme ça. Mais j'espère que normalement on entend. Hein, si t'as mis le haut-parleur avec ton micro, normalement on entend bien. Ah, Balak dit que. Ouais, bah voilà, Kirikou t'a dit coucou. Balak dit, tu parles pas de moi. Bah non, on parle pas de toi, Balak, parce que tu nous casses les couilles, voilà, hein, disons-le clairement. Je connais pas très bien ce Balak. Ah ouais? Qui avait l'humour, enfin le dialogue assez corrosif, tu
Ah ouais, il fait le chaud, hein, il fait le chaud. Il fait un peu le chaud, mais bon, je comprends. Derrière un écran, c'est facile. Est-ce que tu veux dire un, est-ce que tu veux dire un petit mot à Laolite, enfin, ou faire un jeu de mots sur son pseudo? Non, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. On a tellement fait de jeux de mots. Je vais m'arrêter là, je vais juste lui souhaiter le bonjour, évidemment. Ok. Je me demandais aussi comment il a trouvé la Midinésia cette année, s'il a été finalement le dimanche. Ah ben je sais pas s'il est encore sur le live mais voilà, le message est passé. Comment... D'ailleurs, s'il y a des autres gens qui ont été à la Medinasia, n'hésitez pas à nous dire comment ça s'est passé pour vous. Voilà. Allez, je vais te laisser travailler à nouveau. Ouais. Jusqu'à quelle heure là, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont posé la question, mais je sais pas si tu l'entends. Ah, je live jusqu'à minuit. Merde, du tout, j'ai pas entendu. Excusez-moi les gens. Je live jusqu'à minuit. Ah mais là il y a trop de monde là, j'ai jamais vu ça, c'est la première fois. Ah, tu as le coucou de Laolite. Bah, pas de soucis à toutes, hein. Et merci d'avoir appelé, hein. Ciao, ciao. Voilà, c'était Nomad, mesdames et messieurs. Nomad en live. Bah, c'était cool, c'était marrant. J'étais à la MIA avec un youtubeur. Ah bon, t'étais à la MIA avec un youtubeur? Un gars qui fait des YouTube? Waouh. Vas-y, explique-nous ce que ça fait du coup d'être avec un youtubeur. Ça fait bizarre, hein, ça, non, ce que je suis en train de faire. Ouais, je pense. Ah, ça, non, ça rajoute un côté boisé à la chose. Voilà. Je pense que là, c'est pas mal. Quelqu'un me pousse, non? Oui, parce que dans 1.9, on peut pousser. Du coup, maintenant, je suis un peu parano. Non. Non, non, non. Merde, si, celui-là, il était bon. Fuck. C'était l'autre en haut que je devais enlever. Pioche, et c'est ça qu'on va casser parce que ça, je trouve, ça fait trop. Non, ça fait trop là. Voilà, et voilà. Ouais, ça fait un peu mieux, mais ça fait bizarre toujours. Genre celui-là, on va le détruire. Ok. Ah, il y avait des gâteaux. Ah, on m'a pas prévenu, il y avait des gâteaux. Personne ne me dit rien sur ce serveur. Ils sont tous méchants avec moi. Alors, oui, j'ai vu que quelqu'un avait posé la question pour savoir s'il était possible de rejoindre le serveur. Malheureusement, non. Parce que tout est pris. Donc, malheureusement, on peut plus. Il n'y a plus de place en fait. Enfin, je n'autorise plus les gens à rejoindre. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Désolé. Peut-être dans un futur plus ou moins proche. Qui sait? Seul l'avenir nous le dira. Alors attention, nous allons avoir un nouvel abonné. Voilà, Yuri Multigaming, merci à toi pour le follow, mon ami. Merci, c'est bien gentil. Tu es désormais une saucisse comme tous les autres qui sont ici. Tous des grosses saucisses. Alors, Laolite, c'était posé cette MIA. Après la convention, je me suis surtout pas passé un moment sympa avec des potes. Bon, la concurrence, c'était juste avec un pote, vu que les deux autres sont allés le samedi. Hein. Bah ouais, mais bon, moi, le dimanche, j'avais autre chose à foutre, hein, Laolite. Désolé. Et puis bon, t'avais qu'à pas être en tournage, t'avais qu'à pas être en tournage le samedi. Voilà. T'avais qu'à être malade, hein. Je sais pas, enfin, pour me voir et pour passer dans le futur vlog. Ouais, parce qu'il faut que je fasse encore ce vlog, d'ailleurs. Et t'aurais même pu être interviewé par la par Game Event. Malheureusement, tu n'étais pas là. Alors, où est-ce qu'on en est dans cette foutue caverne? On est là. C'était pas là que je voulais le mettre, mais c'est pas grave. Ça fait l'affaire. Ok, donc là, ici, on a une petite pseudo-grotte qu'on va agrandir en profondeur. Je vais reposer ça avant que ça spawn. On va agrandir ça en profondeur. Comme ça, ça va faire plus joli. Je sais pas ce qu'on va y mettre hein, dedans par contre, mais ça sera plus sympa. Je pense, j'espère. Moi, je suis avec un... j'aime vraiment bien quand vous parlez de moi en disant que je suis un youtubeur famous et tout. C'est vraiment cool, hein. Merci. Le mec, il se monte trop la tête tout seul. Le gars, il est personne, mais bon. Ah, mais c'était chouette. Après, je sais pas si j'irai tous les ans. À moins que d'ici là, le public soit au rendez-vous et que je sois appelé à y retourner pour voir plus d'abonnés. Parce que ça, c'était vraiment cool de croiser un abonné. Ça m'a fait plaisir. C'était marrant. C'est toi, Enjoy Bichy? Oui.
Bonjour, c'est moi. Ça fait un peu bizarre la première fois. Voilà, j'ai eu mon dépucelage, hein, comme ça, c'est fait. Dépucelage d'abonnés. Zimarov, il me semble que c'était lui. Hein. Si Zimarov est là, on ne sait jamais, hein, ça se trouve, il est là aussi. Ça, on va casser comme ça. Ça aussi, on va juste pousser, voilà, le mur, là. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, on peut refermer, et ça, on va le changer. Non, on va même casser celui-ci. Ah, on va casser. Oh, encore un follower. Alex, merci pour le follow, bienvenue à toi. Désormais, tu es une saucisse. Saucisse. J'espère que tu vas bien, Alex. J'arrive et le premier mot que j'entends, c'est dépucelage. What the fuck. 10, c'est web design que tu as fait ou c'est architecture d'intérieur que tu as fait comme étude? Ah, j'ai fait web design, Stug. J'ai fait web design. Architecte d'intérieur, c'est Florian Wingle. Oui, je balance des pseudos, des noms IRL, bravo. Et je suppose que c'est le Stug que je connais parce que là, je suis peut-être en train de parler à quelqu'un qui a le même pseudo qu'un pote. On peut le dire, un pote, hein, oui. On peut utiliser le mot pote, je pense. Regan, t'es pas entendu tout à l'heure, Biffy, je voulais tirer. Ah ouais. Ouais, tout à l'heure je voulais tirer mon coup, maintenant je suis dépucelé. Ah là, hein, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est comme ça. Hashtag le rhume. Là ça va mieux, mais début de semaine c'est pas la joie. Enfin, il y a deux semaines c'est pas la joie. Et Nomad, on le reconnaissait? Ben, je sais pas, non, les gens reconnaissent pas Nomad, ils savent pas qui c'est, le mec est inconnu au bataillon. Ah bon, après c'est un random de Twitch quoi, j'ai envie de dire, le gars est pas du tout dans le milieu, enfin voilà quoi. Le mec qui trash talk. Wow. Attention, j'ai mu. Le mec qui trash talk. Bravo, oui, oui. Ah bah ça va. Ça va alors, c'est bon, je parle bien à la bonne personne. Parce que ça m'est déjà arrivé de parler à quelqu'un alors que je pensais que c'était quelqu'un d'autre, et du coup ça a tourné à vraiment, mais vraiment n'importe quoi la discussion. Heureusement que j'ai pas dit trop de conneries. Hop. Voilà, et puis là on n'aura plus qu'à faire ça déjà. Ceci. Petite pioche, tu n'es plus de ce monde. On va essayer de mettre du craquelé un peu quand même, non? Là ça va peut-être. Ça va pas le faire si je mets celle-là. Ouais, ça c'est mieux, je pense. Ok. Bon, on a une pseudo-grotte qui est ici. On va juste retravailler encore ce petit mur-là. Voilà qui est fait. N'hésitez pas à parler, hein, les autres qui sont sur le live. Ne laissez pas la parole à la Balakirikouille, à I'm Nomad, Laolit. Oui, j'ai dit I'm Nomad parce que de toute façon, toi, tu m'appelles Enjoy Biffy à chaque fois, donc voilà. Ce bloc va rester là. Vous pouvez en être sûr. Si je l'enlève pas maintenant, je vais l'oublier et il va rester là toute sa vie. Donc, on va l'enlever. Putain, torche. Et on va y mettre un truc comme ça. Et cette torche-là, on va l'enlever parce qu'elle sert à rien. Même mes parents m'ont toujours pas reconnu. Oh, c'est triste. Par contre, l'entrée est quand même vraiment bizarre. Hein. Là, il y a un petit bout, là aussi, et là aussi. Ça va pas le faire, ça. Ça va pas le faire. On va casser ça. Comme ça, je pense que là, ça serait un peu mieux. Si on cassait comme ça. Ça fait mieux. Ça fait mieux. Voilà, je sais pas comment dire, mais ça fait mieux, je pense. Ok, ça c'est good. Ça, ici, on va un petit peu augmenter la hauteur. Mais pas trop. On se calme, les amis, on se calme. D'ailleurs, il est quelle heure, là? J'ai dit que je live jusqu'à minuit. Bon, il est... Ouais, il va être 23h, déjà. Oh, punaise. J'aurais fait deux grottes, même pas. Pas très productif, hein. Mais bon, ça prend du temps, surtout avec une vieille pioche toute pourrie comme j'ai là. Si quelqu'un veut me faire un don de pioche sur le live, n'hésitez pas. Enfin, je dis ça pour ceux qui sont sur le serveur, bien sûr.
Parce que ça, ça sera peut-être mieux comme ça, ouais. Et ici, ici, comment est-ce qu'on va faire? Parce que lui, il tient un peu dans rien, quoi. Hop, hop. Voilà, comme ça va être mieux, je pense. La musique qui t'enjaille. Oh, je suis pas. Je te pose la question de tes études parce que je vois à quel point tu t'appliques pour donner un beau rendu. Ah ouais, bah ouais, mon CV. Ouais, c'est vrai que j'avais fait un putain de CV quand même à l'époque. Eh ouais, bah ouais, bon, au moins comme ça, ça sert un peu les études. Hein. Puis là, ce qui est bien, c'est que je fais pour moi quoi. J'ai pas de client qui me dit non, j'aime pas ou je préfère comme ça ou comme si. C'est plutôt pas mal. Mais merci en tout cas, Stuck. C'est sympa. Et toi, du coup, tu fais quoi? Tiens, allez, vas-y, on parle. On parle comme ça, au calme. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites tous dans la vie? Dites-moi un petit peu. Racontez-moi. Je veux tout savoir sur vous. Vous avez quel âge? Oui, parce que, bon, tout à l'heure, sur le live de Nomad, le mec a quand même rien trouvé de mieux que de demander l'âge des gens, quoi. Voilà. Il s'est dit, tiens, je vais demander l'âge à tout le monde. Et toi, t'as quel âge? Et toi, t'as quel âge? Dame chat, bonjour à toi, bonjour, bonjour, ça va bien? Neuf ans, Kirikouille. Ah bah oui, t'as toujours pas grandi hein, depuis ce midi, hein, t'as pas grandi, c'est vrai, très bien. Quoi, apparemment c'est pas aujourd'hui ton anniversaire déjà. Deux ans, ah deux ans c'est pas très grand, mais tu parles déjà bien pour deux ans. J'ai vu quelqu'un. Est-ce que je le tue? C'est qui d'abord? Ça c'est n'importe quoi ça. Mais vraiment, genre vraiment n'importe quoi. Je vais casser ça et ça. Ça fait un peu style fissure quoi. Ouais, c'est mieux. Enfin c'est moins pire en tout cas. Alors 25 ans. Bah voilà, 25 ans c'est bien. Enfin, c'est bien. Je sais pas en fait si c'est bien. Bon, on va essayer de finir cette grotte vite fait. Voilà. Ici, ça on enlève, ça aussi et ça aussi. Et on va reboucher. Oui, j'ai vu qu'il y avait du fer derrière, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et ceci, bon, on va mettre de la stone normale. Ah ben voilà, je peux le récolter par ici, le fer. Donc, autant le récolter. Ça va me repayer les pioches que j'ai cassées. Oups. Et puis, boum, 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 on rebouche. Je crois qu'il n'y en a plus. Au pire, c'est pas très grave. C'est que du fer, après tout. Voilà. Donc là, on pourra y mettre un pigmen. Je vais essayer de fermer ça comme je peux. Et juste ça aussi que je vais enlever. Puis ce bloc là aussi, et là bah, le pigmen il aura son petit chez lui. Ça comme ça, comme ça. Et ici on pourra mettre du verre tout. Comment faudrait que je fasse ça correctement? Ouais, je pense que je vais mettre le verre ici à ce niveau ci ouais, ce sera pas mal. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Je prends un an tous les 4 ans, je suis le 29 février. Vraiment, Kirikouille? Ou c'est des conneries? Parce que sinon, t'as pas de vol. Vous savez que Bifi a 43 ans et qu'il utilise du jus de saucisse. Quoi? Du jus de saucisse? Du jus de saucisse? Du jus de saucisse? Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Bah, je les fais pas quand même, les 43 ans, non? Voilà, on va le foutre là-dedans. Puis ça, bon, on aménagera, on va faire je sais pas quoi, mais on va essayer de l'aménager. Et voilà. Et puis on va rajouter un peu de verdure. Parce que ça manque. Cruellement. C'est trop carré, je trouve. Ça l'est moins, comme ça.
Alors, ça, on peut aussi rajouter des petits blocs comme ceci. De crackle, de cobblestone. Je vais manger des chips. Bah là, que t'as vraiment 16 ans. Non, parce que si tu me parles mal comme ça à 16 ans, ça va mal aller. Ça, je sais pas si je vais le laisser parce que je trouve ça vraiment bizarre. J'ai une idée. J'ai pas ce qu'il faut pour que mon idée soit bonne. Ça, on va l'enlever. On va déjà mettre de la cobble. Au moins, ça reprendra un peu plus le design de toute la zone. Voilà. Parce que ça m'embêtait que ça soit pas comme ça. Ok! Donc là, on a l'entrée pour le portail du Nether. Tranquillement. Paprika. Ouais, la base, les chips paprika, la base. Ça comme ça ou comme ça? Comme ça, c'est mieux. Et je pense que celui-ci, je vais mettre ça. Gros, gros design. Ok. On va essayer d'aller trouver un pigman. Si vous en dites. Ah, mais attends. Et derrière, c'est... Attends, parce que là au-dessus, je crois que... C'est quoi qu'il y a là? En fait, je sais pas si je peux... Ah merde, je peux pas casser? Bon, parce que ça aurait été cool de mettre toute la même pierre, mais là... Ah bah voilà, là, je peux casser. Faut juste que je ressorte de temps en temps du portail. Hop. Et on va essayer d'y mettre... Toe, j'en ai pas. Merci Stux, merci. Bon, c'est pas moi qui ai tout fait, hein. Il y a... Bon, les trois quarts, c'est boîte à meux. Oh punaise! Ok, d'accord, ils veulent ça jouer comme ça, très bien. Non, mais très bien. Très, très, très bien. Attends, mais vas-y, remonte ta tête. Merde, c'était trop bas. Oui! Oh! J'ai tué boîte à meux. Et il a left? What? Attendez. Parce que j'ai droit à sa tête. Pardon, boîte à meux. J'ai pas fait exprès. Comment on rentre là? Ah, mais il est en train de designer chez lui. Qu'est-ce qu'il fout? Voilà. Bon, allez, stop les conneries. Alors, boîte à meux est en train de faire l'intérieur de sa maison. Ah merde, mais il n'y a plus rien qui marche en fait. Parce que normalement, alors je vous explique, on a mis, j'ai mis des commandes blocs qui permettent en fait de faire passer la nuit quand il y a une seule personne qui dort, et aussi des commandes blocs qui permettent de faire dropper la tête des joueurs. Mais on a eu un problème de lag avec le serveur et du coup je suis passé sur Spygot, et Spygot apparemment désactive les commandes blocs. Donc s'il y a quelqu'un qui est... Attends, c'est quoi ça? Nikki's Coco? Donate 100 euros, c'est quoi ce truc? On dit... Ah, un Winship. D'ailleurs, alors si on va... Alors, on va commencer les débats comme ça. Un Winship, ça c'est vrai. Moi je dirais une chips. En fait, je dis les deux, je crois. En vrai. C'est une patate quand même. C'est une pomme de terre. Et bon, les chips, je vous apprends rien, en général ça devient des pommes de terre. En général, j'ai bien dit. Parce que, oui, mais moi c'est des chips de betterave. De toute façon, c'est une betterave aussi, connard, donc. Merde, c'est pas ça qu'il faut.
Le petit charbon, tu vas là. Et toi. Un mort wifi Retix, on dit un chips. Mais non, mais rien à voir, tu sais. C'est une chips, c'est une patate. Par contre, un pain au chocolat ou une chocolatine? C'est français, quoi. Vous dites quoi, vous, les Français? Nous, on dit des pains au chocolat, hein. Franchement, j'ai jamais entendu chocolatine. Ça existe pas, hein. C'est mort. Merde, j'ai oublié de faire fondre le truc que je devais faire fondre. Par contre, là, j'ai eu un message bizarre. Est-ce que vous le... Ah, il me semblait bien, Nomad, que c'était une couille, là. Je pense que c'est... En fait, c'est juste que ça s'est affiché bizarrement chez moi. Bon, c'est pas grave. Ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Bordel. Ouais, mais toi là-haut, tu dis quand même un pain au chocolat. Pas une chocolatine. D'accord. Pain au chocolat. Bah voilà, Kirikou, il a juste. Voilà. La question de Nomad m'a perturbé. Je ne sais plus ce que je dois faire sur mon live. Voilà, je suis perdu. Sommes-tels des animaux dans... je sais pas ce que je fais. Bon, bref. Attendez. Concentration, il me faut ça. Voilà, des stone bricks slab. Voilà, c'est ça. Donc pour ça, il faut que je les fasse fondre. Exact. Mais non, j'ai déjà des trucs. Bon, je crois que je repique encore des... Merde. Si je fais pas les blocs avant, ça va pas le faire. Mais j'en avais déjà. Mais quel con. Mais y'a personne qui me dit rien aussi. 9. On va faire un petit peu plus, on sait jamais. Voilà, 13, ça a l'air d'être bien. C'est pas du tout un chiffre rond, donc ça va pas m'aider. C'est pas grave. Ok, bon allez, on se casse. Ah, je voulais faire fondre quelque chose. Oui, bah oui, merci Stuck. J'y ai pensé après. C'était ça que je voulais faire, ouais. C'est cool ça, non? Ça fait un peu un effet vers l'infini et au-delà. On va faire la même chose de l'autre côté, je pense. Faut juste que j'arrive à reprendre le même... En fait, ça me saoule parce que du coup, le mur part par là. Qu'est-ce qu'ils foutent là, tous? Mur par là. Ah, je sais. Tac, tac, tac. Ok, les Milouzes. On est parti pour faire quelque chose de swaggy swag. Boîte à meux. Cahouette. Merde, j'ai voulu l'enfermer, mais ça n'a pas marché. Je suis perdu. Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus. Biffy, il vient voir pourquoi tu... Faut rien depuis 2 heures. Juste de la bouffe? Mais juste rien du tout. J'ai même pas été chercher des poulets. Je pense qu'il y a diffamation. Et que la diffamation, ça peut aller loin. Non. Ça, il fallait que je le laisse. Je vais y arriver. Ça, derrière, par contre, il faut que je change en cobble. Voilà. On y est. Ne vous inquiétez pas. On gère. Voilà. Et par contre, c'était dans ça, comme ça, et ça, comme ça. Et là, derrière, il faut remettre de l'or. Stone brick. Par contre, là, ça fait bizarre à cause de ce piquet là. Ce poteau là. Hop. Et là. Ouh. Désolé. Non, c'est pas ça. C'est pas la bonne. Voici. Voilà. Ok. Et le plafond. On va faire ça. Et voilà. Que demande le peuple, hein? Du pain et du vin, du pain et des jeux.
Du pain et de l'amour. Du pain et des céréales. Hein, je suis peut-être pas l'inventeur de la mitraillette, ça c'est sûr, mais je suis putain d'artiste, on peut le dire. Voilà, comme ça on a un élan. Bah, pas un élan, pas un cerf quoi, enfin, vous avez compris, hein. Voilà. Oh, gros jeu de mots, gros jeu de mots. Bon, bref. On a un truc qui ressemble plus ou moins à quelque chose. Je voulais mettre des stalactites. Ah, ça c'est pas fini par contre. C'est la terre. Mercredi. Mais non, on est jeudi aujourd'hui. Ah, c'est avant que Balak fasse la blague. Ça on casse. Ça aussi. Ça de toute façon avec. On veut pas de blanc parmi nous. Enfin, y a, enfin ok, j'ai pas dit ça. Enfin, j'ai pas dit ça dans le sens raciste. Ok. Hein. De toute façon, je peux en fait. Je peux être raciste envers les blancs. Je suis blanc. C'est comme quand un noir te dit wesh négro. Et toi tu le dis en tant que blanc, mais c'est mort quoi. C'est mort. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Raciste. C'est surtout se balader en tombe toute l'année. Attends. Là j'ai dû louper des trucs. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors là, franchement, je sais pas vraiment ce que je suis en train de faire, même moi-même. Hein. Je suis en train de faire une grotte, si on peut appeler ça une grotte. Et voilà. Mais là, du coup, ça retombe, ça, c'est trop bas, ça. Fait quelque chose comme ça. What? Ok. Le bloc qui est bugué. Ah, voilà, c'est bon. Ouais, je pense que là c'est pas mal. Hein. Ça fait un peu. Ouais, mais là c'est trop. Par contre, ça on va casser ça aussi. Parce que là ça fait trop. Ouais, ça faisait trop bizarre. Ça avec. Et celui-ci, on va le remplacer par une comme ça. Voilà, nickel. Bah, après, jouer à Minecraft, ça sert pas à grand-chose, hein, Balak. Et faire de la déco, ça sert en soi à rien. Mais moi, ça m'amuse, voilà. Ça me détend. Après une journée de boulot fatigante, éreintante, ça me détend. Ok, bah là, on est bon. Ici là ce serait bien quand même d'avoir des zones de verdure quand même ici parce que je trouve ça quand même fort peu verdoisé ça se dit, je ne sais pas. On va se faire un petit truc là dans le même style que ça mais là voilà. Par contre il a utilisé quoi, il a utilisé ça, d'accord, ok, pas de soucis. Non mais pas de soucis, je m'aligne. Allez, je m'aligne, all in. Tac. Ah ouais, par contre ça va chier parce que ça va faire un vieux truc comme ça quoi. Non c'est pas bon. On va faire ça comme ça. Wow, j'ai peur. Merci pour le follow. Merci Iste pour le follow. Merci à toi. Merci bien. Ça m'a foutu les boules. Et ça. Fais ça comme ça. Et on va essayer que la terre qui est en dessous monte et on va aller chercher des slabs, mais des slabs blanches, je sais même plus comment on les fait. Verdanté, ah pardon, je m'étais trompé, il me semblait bien que verdoisé, non je sais pas comment ça se dit en fait, en vrai je sais pas si verdoisé ça se dit verdâtre, non je sais pas, quelqu'un sait? Allez, éclairez-moi. Putain, je vais y arriver, il est quelle heure? Ah, c'est parce qu'il est tard, hein. J'ai une journée de boulot. Fatigante, éreintante. Là, ça fait peut-être trop. Parce qu'en soi, on va rien y voir au pot de fleurs, enfin, au truc de fleurs que je vais mettre là. Ah non, ça fait trop.
on va faire autre chose. On va essayer autre chose. On va essayer. Par contre, je sais pas quoi. On va essayer, mais je sais pas quoi. On va peut-être le mettre au final au niveau du sol. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on fait ça, regardez. Stop. Je vais te casser celui-là. Oui, ben du coup, ça. Ciao, bonsoir. Et ici, on va remettre de la terre à la place de celui-ci et celui-ci. J'ai pas de terre sur moi. Et puis après, tout le reste, on va mettre. C'est pas là. Ça, on va le laisser. Enfin, en pierre ou en cobble, ou je sais pas. Voilà, comme ça, on aura un petit. Ouais, un petit lopin de terre, mais ça me paraît bizarre en fait l'agencement du truc. Bon, on verra bien une fois qu'il y aura quelque chose de construit là. Enfin, de construit. Qui aura poussé. En fait, j'ai du mal avec ce mur. Enfin, ces deux murs. Bon, c'est pas grave. Juste ça. Ça, histoire que ce soit un peu symétrique. Alors, qu'est-ce que vous dites? Désolé, Stug. Non, pas de soucis. C'est moi, hein. Je suis pas encore habitué à avoir des abonnés. On devait pas coloniser. Si, Balak. Regan, on devait On devait aller sur des autres îles. Mais avant de pouvoir partir sur nos propres îles, on devait venir ici faire un village, on va dire, avec chacun notre maison. Donc par exemple ici c'est la maison de Kawet ou je sais pas trop qui. Là il y a la maison de vache à meux, etc. Boîte à meux, pardon, etc., etc. Et chacun aussi devait faire quelque chose d'utile pour le village. Donc c'est faire des usines ou alors décorer comme moi je suis en train de le faire. Et puis une fois que ces deux choses là, on peut partir. Bien sûr, en général, les gens restent un petit peu plus longtemps. Donc, bon, moi, j'ai fait l'usine ici à poulet. Alors, qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai fait l'usine à poulet. Si maintenant j'avais fini ma maison, je pourrais déjà me casser. Mais bon, je vais rester un peu plus longtemps quand même. Hein. On va faire connaissance avec les autres. Ça sert à rien de se barrer directement. Et puis, autant jouer tout seul hein, si c'est pour faire ça. Là, juste encore un petit problème avec les escaliers qui sont là. Je vais essayer quelque chose. Mais je sais pas si ça va bien rendre. Mais bon, on va essayer. Que je les trouve fort bas par rapport à là où on passe en fait, et je pense que comme ça ça peut rendre sympa. Vous voyez, il y a une sorte de mais ça fait trop mastoc, ou alors c'est juste le mur. Ça fait mastoc, mais après on peut peut-être essayer de faire. Attendez. On va utiliser ça. Et on va utiliser ceci. Ça, on va laisser là. Je pourrais pas mettre. Nope. Ceci comme cela. Là, ça va. Smally, bienvenue à toi, tu es désormais une saucisse à partir de maintenant. J'espère que tu vas bien en tout cas. Merci pour le follow, l'ami. Ah, le problème c'est que c'est pas pair. Fuck it. Donc c'est dégueulasse. Vous voyez, là il y en a que un, et là il y en a deux, et c'est pas beau. Boîte à meux. Ah, bah si boîte à meux dit que c'est bien comme ça. C'est que c'est bien, hein, parce que boîte à meux, quand même, il est... Mais là, ça fait bizarre, là. En fait, le truc, c'est que c'est pas pair, c'est dégueulasse. Tommy, merci pour ton follow, l'ami, tu es désormais une saucisse. Ouais, je sais, c'est pas le truc le plus sexy du monde, mais bon. C'est comme ça. Chacun a tué une saucisse avec moi. Merci pour le follow, en tout cas, l'ami, c'est cool. Ou alors je peux essayer de faire un truc. C'est ça. Ensuite, on casse. Et on met ça. Et là, je pourrais mettre
le bloc plein ici et enlever celui-là. Et là, je pense que le compte est bon, hein. Tadam! Ça fait... Ça, non. Non, 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 non. J'ai encore mieux. Bon, on croit que designer des choses, ça prend 5 minutes. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça prend la race de temps de ouf. Voilà, on a un truc un peu sympa. Bon, après, c'est peut-être pas le plus bel escalier du monde. Mais ça fait son job, ça fait son job. Là, ici... On va essayer de mettre un escalier plutôt. Un escalier, je pense que ça sera pas mal. Et on va le mettre comme ceci. Pour continuer le mouvement dans ce sens-là. Comme l'escalier part comme ça, bah on continue dans ce sens-là en fait. Voilà. Et là c'est pas mal. Et en plus, c'est symétrique. Ouais, c'est pas mal. Ça fait un peu une bouche comme ça, mais bon. C'est cool, c'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Balak, vas-y. Allez, exprime-toi. Tu me demandes, tu prends une chose. Ah, peut-être que c'est mon copain, Balak. Ah, que des escaliers au lieu des dalles. Ouais, mais je sais pas, je trouve que ça va faire bizarre. Beaucoup, non. Geek de cuisine, bienvenue à toi, Geek. Merci pour le follow. Désormais, tu es une saucisse. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Bah, ouais, boîte à meuf, je sais pas. Je sais pas si tous des escaliers ça va être bien. Enfin ouais, après on peut essayer. Vas-y, je t'en prie, hein. Vas-y, fais ce que tu... C'est bien. Ah bah si Geek de cuisine a dit que c'était bien, alors c'est que c'est bien. Merci en tout cas. C'est cool, on est nombreux. Voilà, c'est beau. Ouais, ça me va clairement comme avis. Mais tu sais, bah là, que ton avis compte énormément pour moi. Alors dans mon petit parterre de rien là, ça a poussé presque. On va aller chercher... Des feuilles. Et on va les foutre un peu là qui montent. Histoire de rajouter de la verdure. J'aime bien la verdure. Alors, comme aurait dit, hein, les saucisses, c'est comme les cailloux. C'est naturel. Ben, en fait. Ouais, si, c'est naturel, mais. Enfin, tu les trouves pas comme des cailloux, quoi. Enfin, ça m'étonnerait qu'on trouve des saucisses comme ça, pouf, dans la nature. C'est quand même un peu fait par l'homme, quoi. Donc c'est pas vraiment, vraiment naturel. Ça, je vais prendre, j'en aurais besoin. Non, je vais le prendre. Attendez, faut que je me vide. Oui, j'ai dit, faut que je me vide, blablabla. Ah, il a dit... Oh, putain! Enculé! Oh! Mon coffre! Non! J'ai tout perdu! Mais d'où? D'où il vient, lui? Non, mais please. Il m'a laissé mon lit, mais j'en ai rien à foutre de mon lit. Il m'a pété mon coffre. Fuck that shit. Ah non. Ah mais non, en fait, mon coffre, il était là. C'était autre chose qui était là. Oh putain, j'ai eu peur. Regan, ok. J'ai pris 2 heures, c'est clair, j'ai pris blindé de temps pour faire un truc qui sert à rien en soi. Bon, du coup, j'ai plus de table de craft à cause du creeper. Ah, il a tout défoncé cet enfoiré. Attendez, je vais essayer de récupérer un max. Comment ça a pété? Je vais me refaire un four parce que j'ai plus de four. Je vais essayer de reprendre tout ce qu'il y a là. Mais non, mais... Mon lit. Mon lit, je vais le mettre ici. Et on va reboucher ce foutu trou. Par contre, les fleurs, c'est pas que vous me saoulez, mais c'est tout comme. Alors, de la terre, de la terre. Ah oui, c'est vrai, j'oublie à chaque fois qu'il y a le truc pour cliquer, clic droit là. Enfin, clic souris, clic molette. Ok, ça se remplit bien. Hop. Bon, plus de peur que de mal, les amis. Il a pas non plus tout pété.
Ça va. On s'en sort plutôt pas mal. Alors, on rebalance ça là. Ça, on s'en fout. Les fleurs, mais sérieux, je les reprends à chaque fois ou quoi? Ok. Maintenant, je sais plus pourquoi j'étais monté. Je sais plus pourquoi je suis monté. J'oublie tout. Ah, un vache à meux en train... Boîte à meux est en train de faire le pont. Je suis impatient de voir ce pont parce qu'il me paraît genre super big par rapport au reste. Après, j'ai confiance en boîte à meux. Hein. Mais là, je trouve que c'est un gros pont pour un petit village, entre guillemets. Des feuilles. C'est ça que je venais chercher. Là. Je vais prendre... Non, bah c'est bon, je casserai la main, c'est pas grave. Pire, j'en récupérerai. Et comment retirer le Dalai Lama? Les faces, c'est des frites, c'est mieux avec de la mayonnaise. Bon, par contre, là, on a un problème, c'est que... C'est trop gros maintenant, ça. On va faire ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On va même casser ça. On va mettre ça là. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et merci d'être passé. On va remettre une torche pour éclairer quand même. Voilà, qu'est-ce que tu dis comme connerie, ouais. Ah, je récupère ça. Ah. Ah non, oui, ça c'était pour une fontaine. C'est normal que ce soit comme ça. Ok, bon, alors. Ici. La torche, tu dégages au final. Pas besoin de toi. Un truc un peu comme ça. C'est pas mal. Dark Brocolito, merci pour ton follow, l'ami. Ça fait plaisir. Tu es désormais une saucisse et plus un brocoli. J'espère que tu vas bien. En fait, du coup, c'est la dalle là maintenant qui me pose problème. Parce que si je fous un truc par-dessus, ça va être dégueulasse. Et ça, ça monte bizarre. Hein. Ça monte trop pentu. Qu'en penses-tu? Turlututu. Ha ha. On peut aussi essayer de faire un truc qui tombe comme ça. Hein. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors, du coup, j'aurais fait plus là, en fait. Voilà! Nickel! Et là, si j'ai de la bonne mille sur moi, je peux peut-être faire... Non, je peux rien faire. On va faire un fake arbre. Histoire de donner de la couleur. Voilà. Alors là, on devrait pas pouvoir pousser, hein. Y a pas assez de place. Mais bon, il est là pour faire beau, quoi. Hop. Comme ceci. On va essayer d'arranger un petit peu les torches au fur et à mesure aussi. Non, je pense que là, comme ça, c'est pas mal. Yo, Dark Brocolito. Ça va bien? J'aime bien son pseudo, c'est marrant. Alors, est-ce que les gens ont avancé sur leur maison? Donc là, oui, je peux aussi peut-être vous faire un petit tour vite fait. Hein. Donc, ah, il y a quelque chose là. Générateur à cobblestone. Ah bon? Genre. Attends. Si je casse. Ah oui, c'est un générateur à cobblestone. Énorme! Et bah voilà! Ah bah là, boîte à meux, il va être heureux quoi. Et en plus, je peux. Voilà, mais c'est bien fait en plus. Parce que il y a le bloc de comment? D'obsidienne qui est derrière. Et moi, ce que je ferais, j'aurais encore mis un hopper avec un coffre en dessous. Et comme ça, l'item, elle aurait directement été prise par le hopper. Et on aurait pu vraiment AFK. Est-ce que
Mais bon, après, ça dénature un peu le design de la chose. Bon, on va laisser ça comme ça. Ce serait la honte pour Pluto Senko si tu atteignais 10K en moins de 2 ans. Non, ce serait pas la honte. Je pense qu'il serait content pour moi. Et puis, enfin, il n'y a pas de, y a aucune compétition entre nous, quoi. Enfin, on est tous potes, c'est ça qui est cool. On s'en fout, justement, on serait tous heureux que tout le monde y arrive vraiment bien. je voulais aller voir la maison qui était tout en haut. Oui, je fais un peu n'importe quoi. Ici, c'est une nomade qui nous a fait une ferme. Je sais pas si elle marche, mais... elle fait 3 pumpkins. Je sais pas comment elle fonctionne, d'ailleurs. Mais au moins, il a fait une ferme. C'est bien. Bravo à toi, nomade. En face, on a une ferme à pastèques qui marche plus ou moins sur le même principe. Petit escalier. Ah, là, on a une maison, je savais même pas. Ah, mais c'est cool, ça. Avec des petites arches et tout pour faire son stock. Ah, c'est sympa. Je sais pas qui c'est, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça reprend le style demandé. En fait, il n'y a que cette maison-ci, mais bon, après, elle est quand même dans le style, donc ça va. Faudra juste ici faire un petit truc pour bloquer, mais... Et ici, il y aura Fridges, il me semble, qui va faire sa maison là. Par contre, je sais pas comment on arrive là-haut. Je ne sais pas. Il ment. Il ment. Ouais, mais bon, voilà quoi. Ok, Reken. Le mec, il veut trop pas que j'ai des abonnés et trop pas que ça se passe bien pour moi. Ah, on monte vraiment par ici en fait? Non. Ouais, on le pique et personne verra rien. Non, c'est très beau. Par contre, vous êtes sérieux là? Vous utilisez du quartz pour faire vos murs de maison quoi. Genre, les mecs, ils sont blindés quoi. Les petits pots et tout, c'est sympa. Ah, bah c'est chez Bilias. Bon, on va rentrer, on va voir. Ouais, mais putain, mais elle a avancé de ouf en fait. Des petits coffres et tout. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien aménagé. Hein. Là, on a ça. Je sais pas ce que c'est. Il y a un truc derrière. Il y a peut-être un passage secret. Faudra faire un passage secret dans ma maison. Et ouais, la petite. Mais là, c'est bien fait, c'est bien fait. C'est cool, j'aime bien, j'aime bien. Bravo, Biliad. Four automatique. Bien, 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 bien. Très chouette. Après, je sais pas du tout. Ah ouais, ok, d'accord. Donc il faut passer comme ça. En fait, ça, c'est un peu le tricks du village, c'est que c'est tout des petits dédales. C'est sympathique, je trouve. Vous voyez, pour arriver chez Biliad, on... Ah, mais il y a un truc en dessous, en fait. Comment on va en dessous? C'est chez qui en dessous? Ça a l'air d'être joli aussi. Hein. Il y a... Ouais, il y a de l'idée. Hein. Non, les gens, ils bossent bien. Ils bossent bien, ils bossent bien. Bon, après, il y a Nomad et son copain, que j'oublie à chaque fois, là. Mais eux, comme je vous dis, ils viennent de débarquer. Enfin, ils ont pas joué autant de temps que nous à Minecraft. Donc, c'est normal qu'ils soient pas des pros de la construction, etc. etc. Donc, j'ai juste à les relire le nom. Neil, faut que je le retienne. Hein. Mais au moins, ils essaient de faire un truc... Enfin, c'est toujours mieux que les premières maisons qu'on fait en bouse. Hein. Et là, je vais faire quelque chose d'utile. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Magie! On a des escaliers. Et ma maison, elle est comment? Bah, ma maison, elle est en train d'être construite là-haut. Donc pour l'instant, elle ressemble pas à grand-chose. Je vais juste aller voir si le pastèque, ça produit bien. Je sais pas si ça produit bien, mais ça a l'air. Et ici, on a la maison de Zendak avec Digital Cake. Alors eux, c'est les deux qui meurent le plus souvent sur le serveur, quoi. Ils arrêtent pas de crever. Voilà, ils ont un... En fait, j'ai un problème avec le petit rebord là, mais voilà. Après, la maison ça va encore, c'est vraiment une petite maison de campagne paysanne. C'est juste genre ça là, les champs comme ça tout droit et tout qui sont un peu bizarres. Ça fait pas très roleplay quoi. Pareil, les vaches qui sont là, genre en mode non, on s'en fout de leur bien-être. Alors, je suppose qu'ils vont un petit peu modifier tout ça histoire que ça rentre plus dans le style, j'espère. Alors, Bifi, est-ce que tu considères l'architecturale faire des maisons carrées et en terre? Ouais, Balak, si tu fais des maisons carrées et en terre, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vont te critiquer niveau architecture, hein. Ça c'est sûr. Alors, Regan, qu'est-ce que c'est là? Pour retenir le nom du mec, tu dois juste retenir. Bah, nylon, c'est bon. Bah, nylon.
Ouais, mais bon, je vais retenir Neil, hein, franchement. Maintenant, c'est bon, je retiens. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Suite. Ici, on va dire que ça commence à être fait. Là, par contre, il y a trop de cobblestone. Trop de cobble. Ça fait un gros pâté quand on arrive, c'est pas beau. Voilà, là, ça coupe, c'est mieux. D'ailleurs, je me demande si celui-ci, on va pas le supprimer pour mettre là de nouveau ceci. Et que celui-ci. Hop. Non, mais je suis trop con. Ça. Histoire d'eux, hein. Ok. Et là, on va. En fait, j'aimerais bien avoir une silk touch ou quelque chose comme ça pour faire. Ah, mais sinon, je peux faire un petit ruisseau qui passe comme ça. Ça peut être sympa. Allez, on va faire ça. Juste faire quelque chose qui part par là. Voilà. Et donc tout ici on va remplir d'eau. Ce sera bien et ça va partir d'ici. Par contre ouais, du coup ça. Alors que je referme. Merde. Alors, qu'est-ce que vous dites? Je stream souvent, non? Le but du serveur, alors attends, je vais prendre toutes les questions une par une. Alors, geek de cuisine. Le but du serveur, bah, c'est de construire et de faire des usines et de survivre en mode ultra hardcore, tout simplement. Donc c'est un peu comme Helicube, si tu vois le genre du serveur. C'est dans le même principe, en fait. Et voilà, c'est juste ça. Rien de plus, rien de moins. Alors, ça j'ai répondu, c'est bien. Maintenant, Stuck, tu streams souvent? Non, pas vraiment. Enfin, je vais essayer de m'y mettre un peu plus maintenant que le serveur ici est lancé. Je vais essayer de vous proposer quand même du stream assez régulier. Parce que c'est cool. et puis voilà, je vais essayer. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Donc là, normalement, on devrait avoir un petit truc qui doit faire l'affaire, qui devrait tomber ici, et puis après là. Jusque ça. Ouais, on va essayer. Re les amis, re nomade, re à toi. Et Algub, est-ce que je dis. T'appelles-moi aussi. Allez, attends, j'ai pas compris ce que t'as dit, Ragan. Attention au plagiat sur YouTube maintenant. Oh, attendez. Le but du serveur est de plagier Hypixel. Ah bon? Ah ouais, d'accord, ok, tu t'es trompé, d'accord, ouais, non, ok, d'accord, je vois. Ouais, bon, plagiat, ouais, clairement. Hein. Attendez, parce que là, je viens de recevoir un SMS d'un numéro que je n'ai pas. Ah bah, c'est Stuck. Ah bah, Stuck, je vais te répondre directement maintenant. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a plus de place sur le serveur. Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus de place, c'est qu'on n'accepte plus personne sur le serveur et que c'est pas un serveur où... Où n'importe qui peut venir en fait. C'est un serveur qui est whitelisté et qui a une quinzaine de personnes qui peut venir dessus. Du coup, malheureusement, tu ne pourras pas venir voir. Mais bon, je t'invite à suivre mes épisodes et puis les lives aussi. De toute façon, je vais à chaque fois remettre les rediffs de live. Enfin, au moins quand ça buggera pas et quand ça sera intéressant. Parce que ça se trouve, je vais faire des lives qui vont être totalement pourris. Mais ouais, du coup, non, je ne peux pas inviter tout le monde. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des gens qui veulent venir, mais je vous avoue... Là, déjà, on a eu des problèmes avec le serveur au niveau de la stabilité. Alors, je sais pas si c'est à cause de la 1.9, si c'est parce qu'on avait quelques petites usines qui tournaient, mais bon, si c'était vraiment des petites usines, donc... Oui, sur les chiottes de Balak, je coule un mini Balak. Ok, d'accord. Ah, et ben voilà, Nomade. Il arrive dans le game. Ok, ça passe, ça coule. Ouais, va falloir rajouter. Ouais, le logo du serveur, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Bah, je me suis basé sur un autre logo qui existait déjà et que j'ai modifié. Je me suis pas fait chier à refaire un logo moi-même, mais ouais. Par contre, celui qui est sur les miniatures, ça c'est Zendak qui... Je suppose qu'il a pris le Kraken quelque part aussi. Mais... Putain, j'ai eu peur.
Mais ouais, oh, sinon c'est moi qui ai fait la base du logo. Voilà. Bon, par contre, ça fait bizarre. Là, ça va pas. Toun 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 toun, quelle heure il est? Quelle heure est-il? Dans 15 minutes, arrêt du live total, les amis. Mes petites saucisses. Alors, pour ceux qui sont en sneak sur le live, n'hésitez pas à follow pour montrer votre présence et votre soutien. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est rare d'avoir autant de monde, c'est vraiment cool. En plus, vous parlez tous, c'est vraiment sympa. Bon, après, vous dites de la merde, mais bon, on va pas faire le gars qui est vénère. C'est déjà bien que vous parliez. Non, c'est sympa, vous posez des questions et tout, c'est vraiment cool. C'est vraiment, 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 mais alors vraiment super cool. Si je fais ça, j'ai une source d'eau infinie quelque part ou pas? Bien sûr que non. Purée. On est 8. Bah 8, c'est déjà mieux que 0, voilà. Qui dit de la merde ici? Ah, les gens qui disent de la merde se reconnaîtront, hein, je pense. Alors, des allers-retours et des allers-retours et toujours des allers-retours. Le mec, quoi. Mais ce gars. Là, c'est bon, là. J'ai bien une source d'eau infinie quelque part. Oui. Voilà. Bon, par contre, là, ce qui me pose problème, c'est que ça... Vous voyez, c'est n'importe quoi. Enfin, ça, dans la vraie vie, ça va pas exister, un truc qui fait comme ça. Enfin, de l'eau qui... Là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, après, de l'eau qui arrive de là comme ça, ça ne peut pas non plus... Ah, oh, bon, après, c'est pas grave, c'est de la... Là, c'est déjà un peu mieux. Un peu. Mais bon, c'est pas non plus ouf, quoi. Ce qui m'embête maintenant, c'est que ça fait vraiment gros pâté, là. Pâté, pâté. Attendez, on va essayer de faire quelque chose. Si je fais quelque chose comme ça. Et que ici... Ouais, vite fait, quoi. Alors, Nomade et ses questions. Ouais, j'y ai pensé après, ce truc de faire de l'eau infinie. J'ai pas... J'ai pas réfléchi. Bon, là on a un truc plus ou moins propre. J'ai plus de place, j'ai plus de place. Faudra bien sûr continuer ça. On a une idée, quoi. On a une idée globale de la chose. Ah, par contre là, il y a de l'eau qui a... Ouais. On peut essayer de faire quelque chose là comme ça, histoire de dire que l'eau peut aussi couler par là. Voilà. Ouais, bah enfin, il n'y a pas besoin d'aller aussi profond non plus. Du coup, c'est... What? Voilà, on fait quelque chose comme ça. Et puis là, ça montre que... Voilà. Là, ça a l'air bien, non? Ça a l'air plus naturel, en tout cas. On sauve ça. C'est un peu n'importe quoi. En fait, je crois que si je fais ça... Je peux pas la reprendre? What is the fuck?
C'est une musique de Lover là. De film X en fait. On peut parler de nourriture, ouais, allez-y, hein, parlez de ce que vous voulez, les gars. Hein. Vous êtes libres. Donc j'ai plus de pioche. Non, j'ai plus de pioche. Bah, après l'autre, c'est une grosse pioche bien badass, donc je vais éviter. Est-ce que là, je vais essayer de pouvoir foutre des stalactites? Oui, mesdames et messieurs, on va essayer de mettre des stalactites. Stalactites qui tombent. Histoire de bien montrer que c'est une grotte. Ma gueule. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un autre endroit? Ouais, là. Alors, ici, où est-ce que je pourrais foutre ça? Faudrait que j'arrive à mettre ça comme ça. Voilà. Et ça? On dirait un gros gag. Un gros gag en... Ouais, c'est pas top. Nomad commence à se déshabiller. Ah, ça. Et comment tu fais pour mettre de la couleur et tout comme ça, là? La viande de zombies sur moi. Ça prend de la slope pour rien. Alors... Oh non, après, il y a des trucs de maths qui apparaissent dans le chat. Laisse tomber. Ah merde, j'avais encore une pioche là! Ouais, non, parce que ça fait trop bizarre. Après, peut-être que si j'en mets deux. Non, ça, en fait, ça fait trop coincé. Et c'est parce que. Ouais, non, ça va pas. Ça fait pas. Ça fait vraiment chou. Hop, on essaie de casser ça comme ça. Qui est passé à côté de moi? Ah, monsieur nomade! Regardez ce beau skin! Alors, il a dit que ça ressemblait à son avatar de Twitch. Mais, genre, pas du tout, quoi. Ah, merci du poulet! Est-ce que vous voyez une ressemblance avec son avatar? Vas-y, Nomad, déshabille-toi et montre-nous un peu si ça ressemble à ton avatar sur Twitch ou pas. Non, mais genre, pas du tout. Juste pas du tout. Ouais, pour une fois que Balak dit pas de conneries. Ça ressemble, mais genre pas du tout. Mais genre, d'où ça ressemble en rien. Déjà, il a pas de téton le type. Il a un bandana sur son avatar de Twitch. Là, il en a pas. Enfin, bref. C'est du grand n'importe quoi, quoi. Ouais, alors, est-ce que je vais pouvoir en foutre des gags là? Là au final ça va bien dans un sens mais pas dans l'autre je crois, je trouve. Pop. Voilà, la musique de Lover est terminée. Par contre j'ai toujours pas de stuff full diams, faudra que je pense à en faire un. Vous voyez, je préfère utiliser mon temps à la déco du serveur plutôt qu'à la déco de mon stuff. On va essayer de faire ça. Et puis là, on va mettre du blanc. Enfin, du la stone normal. Si j'en ai encore. J'en ai 4. Bah, c'est pas beaucoup. Si j'ouvre un petit peu plus les possibilités comme ceci. On ouvre le chemin des possibles. Bon, là, on va y mettre... On va y mettre de la cobble parce que j'ai plus trop de blocs autres.
Bon, j'ai essayé de faire un peu genre style. J'ai plus de place. Tant pis. Mais bon, là, ça marche pas trop. Hein. Ça marche genre même pas du tout. Non. Non, 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 non. Bref, tant pis. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Je pense que... Attendez, je vais juste faire... Ah oui, je vais finir ça aussi. C'est-à-dire mettre là-haut, hop, comme ceci. Et au moins, ça fait un portail complet. Propre. J'ai pris aussi des planches ou pas? Non, j'ai pas pris. Bon, c'est pas grave. Ah! Et ben voilà, il commence à travailler. Mais c'est tout mignon. Oh! On peut passer par là. Franchement, je vous dis. vache à meux. Putain, eh, va chier, tu t'appelleras vache à meux et puis c'est comme ça. Il fait vraiment des trucs de malade. Vous savez quoi? Je vais encore rajouter de la verdure juste ici. Moi, j'aime bien la verdure. Vous n'aurez pas encore compris. Je peux pas aller jusqu'en haut. La tristesse. Si, voilà. Boîte à meux. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Partout. Voilà. Ah, c'est, enfin, ça donne un peu de verdure, c'est plutôt cool, je trouve. Et puis avec les deux petites fleurs là, ouais, ça en fait, je voulais faire de la merde, mais au final, ça donne plus ou moins bien. Ça, c'est bon comme ça. On va laisser. Je vais peut-être faire encore une ligne juste là en dessous. Vous voyez. Après, je sais pas si... Non, je pense... Quoi? Parce que si je fais un truc comme ça... Non, ça va faire bizarre. Hein. Non, je fais pas ça. Par contre, ça, je le laisse, je trouve ça cool. Même si ça soutient rien. D'ailleurs, ça pourrait soutenir quelque chose, en fait. Mais là, ça soutient rien. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Vous parlez ensemble, allez-y, parlez ensemble, vous avez raison. Ne regardez même pas ce que je fais, hein. discutez. je vais aller ranger un peu tout ce que j'ai sur moi. Et puis je pense qu'on va, on va se laisser là, tout doucement. Oui, on va se laisser tranquillement. Discretos. À la cool, à la bien. Ah, voilà ce qu'on devrait faire. On va se laisser au KLM, comme diraient les jeunes. En tout cas, c'est vraiment chouette. C'était vraiment chouette comme live. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour ceux qui étaient là du début jusqu'à la fin. Et merci à tous ceux qui ont follow. Vous êtes extrêmement nombreux. On était 199 au début du live. Et maintenant, je ne sais pas combien on est. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était cool. Ouais, mais l'uni... Ok, d'accord. Ça parle d'unijambiste maintenant. Bon... Gros délire sur sur mon live. Attendez. Les pierres, ça. Je vais en faire fondre. Ah ouais, si. Je vais en faire fondre un petit peu quand même. La cobble. Faire fondre ça et ça. Bah non, ça je pourrais pas. Parce que il va me falloir de la pierre normale. Et on va essayer de se faire. Encore quelques petits trucs en dalle comme ceci. Il faudra que je fasse mon escalier. Alors, ah oui, ça vous m'avez pas répondu d'ailleurs. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui m'écoute? Je ne sais pas. Ils sont tous en train de parler. Donc est-ce que je fais un escalier qui monte là et qui va dans ce truc pour faire un peu une sortie en haut? Ou alors est-ce que je fais un escalier qui fait le long ici derrière? Ou est-ce que ici je creuse une grotte, enfin un trou
qui va directement là en haut. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Allez-y, c'est à vous de choisir. Tu creuses un trou. Tu creuses un trou. Ouais, mais je sais pas. Je pense qu'un trou, ça va pas être le top en fait. Merde. C'est pas ce que je devais faire. Ouais, ok, je pensais pas que ça allait se mettre là, mais ok, d'accord. Mais ouais, je peux faire un ascenseur. Un escalier dans la montagne. Donc, on va dire que... Voilà, alors ce que je... Enfin, moi, ce que je trouvais le plus sympa, c'était de faire un truc qui monte ici en extérieur, hein, normal. Et puis qu'on arrive ici et que ici dans la montagne je creuse pour pouvoir arriver jusqu'en haut en fait. Mais sans ascenseur. Ah salut Tuzak. Putain ça fait super longtemps Tuzak. Ouais merde je t'avais oublié. Non je déconne. Mais putain ça fait super longtemps Tutu. Ça va bien? Tu joues à quoi maintenant? Il faudrait que je repasse sur le Mumble là. Mais je suis à fond sur Discord. Là. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à tester Discord. C'est vraiment super. C'est vraiment bien. Mais ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire un escalier qui monte ici. Puis après, dans la montagne, je vais creuser un truc pour aller jusqu'à ma baraque qui est là en haut. Qui est encore loin d'être finie. Mais bon, on fait un peu le design tout autour ici. Mais de toute façon, demain quand on va revenir, croyez-moi, boîte à meux, il aura déjà fait un truc de ouf. Ça, je sais pas ce que c'est. Un trou, ouais. Ouais, on va faire un trou. Un petit, mais on va en faire un quand même. Est-ce que j'ai encore une trappe? Oui, bah voilà, je peux faire une trappe comme ça. Ça, du coup, ça évite qu'il pleuve à l'intérieur, on va dire. Voilà. Bien. Hop. Et ça se referme. Nickel. Eh bien écoutez les amis, qu'est-ce que vous en dites si on s'arrête là pour ce soir? Moi je pense que c'est une bonne idée, hein. Je suis crevé. Je vais aller me coucher maintenant. Un grand merci à vous tous. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai sorti l'épisode 14, il me semble, de Fallout sur ma chaîne. Donc allez le voir si vous n'êtes pas encore fatigué et que vous voulez encore entendre ma douce voix. Si vous voulez en savoir plus sur où est mon fils Sean, je vous invite à aller voir l'épisode 14 qui est sorti. Ah, ils font pousser un arbre, ok, d'accord. Ah, ils veulent faire un grand arbre. Voilà, du coup, bah, c'est tout, à moins que vous ayez des questions. Bonne nuit à toi, geek de cuisine. C'est bizarre quand même, geek de cuisine. J'avais jamais, enfin, oui, on peut, mais c'est spécial, je trouve. Utiliser le mot geek de cuisine. Mais c'est bien. Par contre, c'est pas très éclairé, quoi, ici. Ah. Peut-être mettre des torches, hein. Ah, mais on peut pas parce que c'est des dalles. Eh oui, les amis, on peut pas. Oh! D'où tu viens, toi? Je ne sais pas d'où il venait. Chaud le mouton, ouais, c'est ça. Je bosse demain. Bah ouais, bah moi aussi, Kirikouille, hein. Malheureusement. Ah, gros spoil, hein, le fils s'appelle Sean. En même temps... Si vous voulez pas être spoil, depuis le temps vous aurez pu acheter le jeu. Donc, je pense qu'on peut y aller maintenant au niveau des spoils. Est-ce que ça je peux faire bah du coup j'ai plus de trucs comme ça. Voilà. Voilà. Bon et bien les amis, moi je vous laisse ici, je vous dis à ciao, bonsoir et n'oubliez pas, enjoy. Ah, j'allais faire F9 comme quand je coupe une vidéo, mais c'est pas du tout pareil. Allez, salut tout le monde et merci pour votre follow, pour votre bonne humeur, pour votre joie. Ciao, ciao!